Okay. Alors, bonjour Nicolas, et puis bonjour Rama, c'est Rama qui parle à côté, hein, c'est ça? Bonjour, bonjour. Voilà. Voilà, et donc Nicolas et Rama, je vous présente Laetitia qui va travailler pour, enfin pour toi Nicolas, hein, et avec toi. Merci, Voilà. bonjour Laetitia. Bonjour. Voilà, et donc ben, tu peux nous donner les points sur lesquels tu veux travailler en commençant par la santé. Ok, bah, j'ai des problèmes aux yeux. J'ai comme une substance blanche qui sort du côté de mes yeux, sur les côtés, sur là. J'ai des problèmes aux oreilles, des Attends, infections. tu vas trop vite, attends. Ok. Substance blanche qui sort des yeux, qui sort des yeux. Ouais, qui sort des yeux, ouais. D'accord. Ok. J'ai des problèmes aux oreilles, infections. Oreille, infection, oui. Des hémorroïdes. Hémorroïde. J'ai des problèmes d'incontinence, j'arrive à me retenir à peu près, mais je dois me dépêcher tout le temps pour aller aux À la toilettes. suite des opérations. À la suite des opérations. Ouais. Incontinence, tu as été opéré de quoi? Pour les hémorroïdes, il voulait les enlever, puis ça a mal tourné. Enfin, bon, voilà. Ah, d'accord. J'ai du pied d'athlète. Tu as? Du pied d'athlète. J'ai pas compris. Pied d'athlète. Il a des champignons entre les orteils. Ah, d'accord. Je préfère que tu me parles en termes vernaculaires. Hein. Donc, champignons entre les orteils, d'accord. Ouais, j'ai des problèmes aux reins, en particulier le gauche, dû à une overdose, dû à des overdoses, quoi. Alors, donc au rein, à gauche, Ouais, le droit aussi, des fois, ici, mais. t'as eu une overdose de quoi? J'ai pris plein de médicaments pour me suicider, et puis c'était mon médicament. Donc tu as fait une tentative de suicide, c'est ça, en prenant des médocs? J'en ai fait plusieurs. Mais celle-là, Mais elle est. celle-là, elle m'a vraiment bousillé la jambe. Il a pris un mois de médication, de deux médications pour un mois en un jour. Ah oui. Même plus, hein, 2 mois même. Il y Ok. avait 100, environ 100 cachetons dedans. Enfin, bon, voilà. D'accord, ok. Bien. Et t'as fait combien de tentatives comme ça de suicide? Je sais plus, la première que j'ai fait, j'avais 17 ans. Il Et en a donc, fait au moins une dizaine. ah oui, 10 tentatives, ok. Ok. À chaque fois avec des médocs ou d'autres moyens? D'autres manières? Ouais. D'accord. Il s'est aussi étranglé pendant 5 ans. Étranglé pendant 5 ans. 5 ans? Donc comment ça, étranglé pendant 5 ans, je ne comprends pas. Il prenait une écharpe et puis il s'étranglait. Ah bon? Ah Et oui, ça. ça fait partie des 10 tentatives de suicide, ça, c'est ça? Même pas, non, ça. En Non, plus. c'est j'étais à l'hôpital psychiatrique, j'ai vu un chaman sur un magazine en train d'étrangler un mauvais esprit. J'ai commencé à m'étrangler, je pouvais plus m'arrêter, puis c'est tout. J'ai arrêté, j'ai fini cette horreur. Hein. C'est horrible ce truc, c'est horrible. Donc tu as vu un J'ai chaman? Alors attends, il faut que je note là. Tu as vu un chaman vu un pour. chaman sur un magazine, en photo, en train de s'étrangler avec écrit, ouais, il étrangle le mauvais esprit. Et moi, je croyais que je pouvais étrangler le diable comme ça. Et puis après, ça m'a. J'étais pris dans le piège, j'arrivais pas à arrêter de le faire. C'est bizarre, quoi. C'est Ah comme oui, d'accord. une Eh ben, mouvement tu as voulu faire carré. pareil, quoi. Tu as voulu faire pareil que lui, c'est ça? Ouais, je voulais faire pareil que lui, voilà. D'accord. Attends, je note, hein. Pour chasser un mauvais esprit, voilà, il vient, lui. Ok. Ouais, j'ai perte de souplesse à ma cheville et aux orteils du pied droit après la chirurgie sur ma jambe après Alors, l'overdose. attends, perte de souplesse à la cheville, Et au doigt de pied. orteil, des deux pieds. Non, juste la droite. Pascal, je précise, c'est quand il a pris cette massive overdose, ils ont été obligés de lui ouvrir la jambe des deux côtés. Et quand pour enlever le sang qui était caillé, et quand ils ont fait ça, ils ont dû endommager le système nerveux, le système sanguin, le système. Non, mais c'était tous les nerfs avaient. Yannick est mouru, j'ai dû attendre que mes nerfs repoussent. Alors, où est-ce qu'ils ont ouvert? J'ai pas compris, dans les jambes? Il Dans la a jambe. ouvert, tu peux lui montrer ta jambe? Dans ma jambe. Non, 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 c'est pas la peine de me montrer. Non, non, on fait pas une consultation. Ouais, non, non, mais t'inquiète. Ils ont dû l'ouvrir des deux côtés de la jambe parce qu'il était resté comme ça pendant très longtemps assis sur sa jambe et ils ont été obligés de lui pour enlever le sang caillé qui était là. Ah oui.
Et c'est à ce moment-là que le docteur a dit, si le sang est noir, il faudra couper la jambe. Il aura peut-être besoin d'aller se dialyser pour le rein. D'accord. Il n'a pas eu besoin pour le rein. Ok. Bien. Ensuite, j'ai des problèmes de mémoire et de concentration. Concentration, oui. Après, j'ai des problèmes à ma main droite, diminution de mon agilité à utiliser les doigts de la main droite. Donc ils sont rigidifiés, quoi, c'est ça? J'arrive à les utiliser, ça va mieux là, parce que j'ai, avec le temps, ça allait mieux. Il y a quelqu'un, il a eu exactement le même problème que moi, bizarrement, mais enfin, c'est pas grave. Donc c'est une perte de mobilité, quoi. Ouais. Après, j'ai un peu de haute tension. La tension, oui. J'ai des verrues. Dans les verrues, oui, t'en as pas où? T'en as où des verrues? J'en ai sur les pouces. J'en avais sur tous les doigts, mais j'en ai plus que sur les pouces et sur le gros doigt de pied et un peu sur un autre orteil du doigt de pied. Et enfin, un autre orteil sur le pied droit. Okay. Sur la main gauche et la main droite, j'ai des verrues sur les pouces, hein, un peu comme sur les doigts. Mais ils sont partis presque tous, mais j'arrive pas à m'en débarrasser. D'accord. Les combustions spontanées plusieurs fois. Non, mais attends, j'en suis pas là encore. Après, je suis diagnostisé schizophrène paranoïde. Paranoïde, d'accord. Ça, c'est le diagnostic, d'accord. Après, quand j'étais petit, je ne me rappelle plus du tout, même pas un tout petit peu, mais ma mère me disait que j'avais peur dans la nuit, que je voyais des démons. Il pleurait tout le temps. Du moment qu'il est né, il ne pouvait jamais dormir tout seul. Donc, toi, tu dis que tu voyais des choses, hein? Non, je ne dis pas qu'il voyait des choses. Je pense qu'il avait des terreurs nocturnes. Mais à l'époque, j'avais aucune idée de ce qui se passait. Je pensais qu'il était capricieux, mais il ne pouvait pas dormir tout seul. Toutes les nuits, il fallait le prendre dans notre lit. Mais Nicolas, tu as des souvenirs, toi? Aucun, c'est ça que... Ah, voilà. Ah d'accord. Il avait donc des terreurs nocturnes. Ok. Ensuite, j'ai des problèmes. Il y a quelqu'un qui essaie de me brûler, des combustions spontanées, ça s'appelle. Mais c'est quelqu'un qui... Je l'ai vu à peu près. Il y en a un qui voulait me brûler, je l'ai vu. Combustion spontanée, c'est-à-dire j'ai l'impression que je vais m'enflammer, mais je m'enflamme pas. Seulement quand j'avais 18 ans, j'ai failli m'enflammer, je crois, mais j'ai assez bien crié à Dieu ou je ne sais pas à qui, et puis je ne me suis pas enflammé. Et puis les docteurs, ils me demandent, ça a commencé par mes pieds, je sentais que mes pieds brûlaient, ils ont demandé si j'ai marché sur du feu, et je n'ai pas marché sur du feu. Et mes pieds, ils étaient brûlés en dessous. D'accord. Ça ne l'a pas fait depuis un certain temps, mais je l'ai vu il y a peut-être 2-3 ans, et le même gars, il essaie de me brûler sous un... Et un gars, tu veux dire physique ou quelqu'un... Il rentre dans quelqu'un, il a la même tête, je le reconnais, il a des gros joues, et puis il est vraiment des ténèbres, il vient de l'enfer. Et il vient comme ça, il va sur des gens, il fait un avec une personne, je n'avais pas compris, maintenant j'ai compris que c'est lui, quoi. Bon, on verra ça, ok. Ensuite... Ensuite, j'ai juste des souvenirs, mais ce n'est pas des souvenirs. J'ai l'impression qu'il y a un gars qui était chauve et un gars avec une barbe, d'après ce que ma mère me dit, je vais raconter, qui m'avait fait des choses et qui m'avait, je ne sais pas, ce que je me rappelle, j'ai l'impression qu'il m'avait mis un truc, un genre de bâton, il l'avait tourné en rond derrière ma tête, à l'intérieur de ma tête, je ne sais pas quoi, mais c'est que des souvenirs qui sont peut-être de la mythomanie. C'est quand il avait 6 ans. Je ne sais pas. Dans la nuit, alors, ok. Donc, tu avais 6 ans. Après j'ai des problèmes après avec un homosexuel qui essaie de... Il est amoureux de moi et puis il croit que je suis pédé comme lui et je ne suis pas pédé. Et je veux m'en débarrasser et le mec, j'arrive pas à m'en débarrasser. D'accord. Là, c'est quelqu'un qui habite dans ta... C'est quelqu'un qui habite autour de chez toi? C'est quelqu'un qui passait à la télé. C'est son apparence. C'est dans un feuilleton. Il était pédé dans le feuilleton et même dans la vraie vie. Et puis après, il vient m'emmerder. Et c'est dans Pascal, c'est dans le monde subtil. C'est ce qu'il voit. Ah, d'accord, ok. Et il vient même à l'intérieur de moi. Mais oui, mais c'est dans le monde subtil, Nicolas. Il confond tous les points. Ça me donne presque envie de me mettre une balle quoi, d'être avec lui. Quoi. D'accord. Ok, bon, je vois. Bon. Après, autre question, parce que là, on n'est plus dans les questions de santé. Hein, donc, Ok. Alors, dans les autres questions, Nicolas, je te les ai écrites, là. Ouais. Parce que là, autre question, en fait, déjà, les questions en santé, tu en as déjà une, deux, hein, trois.
les terreurs, c'est voilà, tout ça, c'est. Donc tu m'en choisis encore trois là. Oh, merci. Mais non, mais ils n'ont pas de temps. Oui, de toute façon, tout va se travailler quand même, t'inquiète pas. Hein. Tout va se... Exactement. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont la même origine, donc ne t'en fais pas. C'est pour pas que la séance soit interminable, déjà que le protocole est long, tu vois. Si on met dix questions hors santé, on met 4 heures, hein, tu vois ce que je veux dire. Et c'est contre-productif. Donc, trouve-moi encore trois questions importantes pour toi, les plus importantes. J'aimerais pouvoir aider ma nièce qui a 19 ans et a déjà fait, comme moi, des tentatives de suicide avec des médicaments. Alors, ta nièce, on la mettra dans les invités. D'accord? Ah, ok. Et puis, je voudrais savoir quelle est la raison pour laquelle je suis avec ma mère tout le temps. J'ai besoin de son aide, quoi, parce que je ne peux pas me débrouiller tout seul avec tous mes problèmes. J'aimerais bien savoir comment ça se fait que c'est comme ça avec ma mère. Oui, enfin, Oui. comment ça se fait que tu as de ces Quelle problèmes? est la relation avec ma mère? Ma mère, pour ça, pourquoi elle est obligée d'être là comme ça aussi, quoi. Ok, bon, ok. Avant d'en Et qu'est-ce que et après j'ai la mère de mon fils, je suis elle est qu'est-ce que je peux faire pour que la relation s'apaise un peu, la relation conflictuelle s'apaise entre ma mère, entre ma, la mère de mon fils et moi et avec elle. Enfin, elle sur mon fils et puis sur moi. Ok, conflictuel avec la mère de ton fils. Mère de mon fils. Ok. Donc en fait, ça se passe mal avec son fils et avec toi, c'est ça? Bah, ce qu'il y a, c'est que, comme elle m'en veut à moi, Ne te demande pas dans les détails. elle traite mal mon fils des fois à cause de moi, quoi. Ah, d'accord. Elle le manipule. Il a 31 ans, mon fils. Il est vieux, mais il tombe toujours dans le panneau avec elle, quoi. D'accord, ok. Bon. Ben, je Ok. ne l'avais pas. J'essaie de lui envoyer de l'amour quand même. D'accord. Ok. Bon, alors, allez, ta dernière question, et après on y va. Ma dernière question, je sais pas, je crois que j'en ai plus. Allez, je suis un vide là, j'ai un vide. Ah ouais? D'accord. J'espère que, est-ce que vous pensez que c'est, enfin, est-ce que tu penses que ça va, je vais arriver à me débrouiller avec cette session à peu près, quoi. Tu sais, comme je dis toujours, je considère que tout est possible, mais je promets jamais rien. Voilà, on fait de notre mieux, tu vois. Tout est possible, mais je peux jamais rien promettre. Parce que tout ne dépend pas que de nous. Tu comprends? Voilà, et heureusement d'ailleurs, hein, on n'est pas tout puissant, hein, on n'a pas de baguette magique. Mais voilà, il y a un protocole qui est efficace par lui-même, hein, mais tout dépend aussi des personnes, de toi par exemple. Hein. Enfin, surtout de toi d'ailleurs. Ok? Voilà. Est-ce que j'ai besoin d'être toujours avec mon visage sur la caméra pendant tout le truc? Pendant tout Oh, le. t'es pas obligé, non, 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 enfin, non, mais ce qui, Comme par ça, contre, ce qui, je me mets sur le dos sur le lit, comme ça j'écoute bien et puis voilà. voilà, l'important en tout cas, c'est que, Je peux m'allonger de côté, tu vois. Si tu as besoin de voir le visage pour la contact avec les yeux, je sais pas. non, c'est Laetitia qui a besoin. Moi, oui, j'aime bien voir les visages parce que voir ce qui se passe pendant que je travaille. Peut-être j'ai une question, j'ai vu quelque chose qui s'est passé ici. Parce que j'oublie des choses qui sont assez. Je regardais le soleil et il me faisait pas mal aux yeux. Et après, je regardais et puis hop, il a disparu. Alors, je suis pas paniqué, je suis rentré dans la maison. Et ma mère, elle est rentrée et hop, le soleil est revenu dans le ciel. Alors, ça m'a un D'accord. peu. C'est le soleil qui a disparu. On pourrait croire que c'est une hallucination, mais c'est un peu. Des autres explications, je pourrais dire à ça, mais voilà. Ouais, d'accord. Oui, bon. Alors, bien. Un peu pour savoir, un peu, quoi. Mais moi, ce que j'ai compris, le bon Dieu, il m'a dit, c'était parce qu'il m'aime qu'il a fait ça, quoi. OK. Tout à l'heure, on est dans la matrice, quoi. Bon. Nicolas, ce que je te propose, donc c'est les invitations. Donc, qui veux-tu inviter alors? Alors, je te l'ai mis là. Ma tante Françoise de Personne que Monique. j'invite, mon fils. Mon Donc, fils. bah, tu m'as dit que tu avais deux enfants, je crois, non? Non, j'ai un fils et Ah, trois t'as. petits. Un non, un fils et trois petits-enfants. Ah oui, c'est ça. Donc, ton fils et ses enfants à lui, quoi. C'est ça? Il est de Ok. mère. Donc, on va dire ton fils et sa famille. Hein? D'accord? Ah, voilà. Ok. Bon, après, donc, bah, on inclut la compagne. Donc, il est Ma toujours mère. avec. Voilà, t'attends, parce que la mère de. Oui, d'accord. La mère de ton fils, on l'invite ou pas? Ah oui.
Oui, on l'invite aussi, oui. Donc la mère, hein? Ok. Qui veux-tu inviter après alors? Tu as des frères et sœurs? Ma mère et mes frères et ma sœur. D'accord. Tu as combien de frères et sœurs? J'ai deux frères et une sœur. Deux frères, une Leur sœur. famille, leur famille Avec en général. leur famille, bien sûr. Voilà. Des Après, donc. amis de. Non, et la famille en général. D'abord ta mère, Ouais, hein? ma mère. Voilà. Dès que ton père, il est plus de ce monde? Non, mon père est décédé. D'accord. Donc après, on dit famille en général. Hein? Après, il y a des amis que tu veux inviter? Ah ouais, j'aimerais inviter des amis aussi quand même. Alors, on dit tous les amis à qui tu penses? Ouais, voilà. Des amis que j'aime, voilà, mais voilà. Tes amis proches? Ok. Après, est-ce que tu as des Et animaux? les chats et les chiens qu'on a ici, les chiens qu'on a eus. Non, mais Ensemble. ceux qui sont encore de ce monde, hein, pas. Ok. Tu as quoi? Les chats. Bon, Tu as combien de chiens et de chats là? on a deux chats et pas de chien, on a et juste on deux a chats. deux chiens aussi, les chiens de Robin. On a les deux chiens de mon frère aussi. Ouais. Donc on dit les deux chats et puis les animaux de tout le monde. D'accord? Comme ça inclut cela. Ok. Après, pour les deux décédés, tu choisis qui alors? Je choisis mon père Tante maternelle. et ma tante maternelle Françoise. Ne donne pas de nom. Ah, faut pas donner de nom. Ah ouais. Bon, ah, c'est pas grave. Allez, tante maternelle. Voilà. Ok. Bien. Ben écoute, je te laisse couper le son et puis on part pour ton aventure. Alors, tu veux t'installer, tu vas aller te coucher, c'est ça? Bah, je suis sur mon lit, je m'assois sur mon dos vite fait. Ouais. Attends, on Tu coupe peux le faire en son. sorte que je te vois quand même ou pas? Oui, il va faire, yes. Ouais, que tu me vois quand même si tu veux, ouais. Ah, Suis-moi. si, ouais, tu fais. À présent que tes connexions et protections sont faites, dis-moi, quelle est ta fréquence? 310. Je te laisse augmenter. À 45 000. À 45 000, est-ce que tu te sens en sécurité, hors de portée? Oui. Bien. Pas à la lisière, hein, on est bien au-dessus. Oui, c'est bon. Bien. Connecte-toi à moi, dis-moi combien tu me vois. 380. Je m'aligne sur toi. Oui. Et je te laisse te connecter sur Nicolas. Dis-moi, comment tu le perçois? J'ai eu une information en fait qui m'a déstabilisée parce que je sais qu'il s'appelle Nicolas et j'ai entendu Christophe, qu'on l'appelait Christophe, quoi. Bien, alors tu vas déjà commencer par aller voir d'où vient cette information qui t'a déstabilisé. Pas déstabilisé, c'est pas vraiment le mot, c'est juste que c'est le Ouais. prénom que j'ai. Oui, j'ai dit, mais ben non, c'est Nicolas, pourquoi Christophe? Voilà, c'est Alors ça. Hein. tu vas aller voir d'où ça vient déjà. Parce que, ok, je vais voir ce que j'ai. Parce qu'effectivement, je l'aperçois, hein, Nicolas. Je vois plus ou moins. Mais c'est très, ça bouge beaucoup, comme Ouais. ça. Mais on va aller voir d'abord l'information. D'accord. Oui. J'ai des yeux démoniaques rouges. Voilà. Attends, je vais prendre plus de distance. De loin. Alors, comme ça. Donc, en fait, je vois le. Donc, je vais l'appeler un monstre reptilien. Alors, je dis démoniaque, mais il n'est pas hybridé. Hein. C'est vraiment un reptilien. Et quand je dis démoniaque, c'est parce qu'il a ses yeux rouges aussi. Et il agit énormément, en fait, sur le corps mental, le corps émotionnel. Quand je dis il agit énormément, je dis il possède, on va dire, les quatre corps de Nicolas jusqu'à sa physicalité. Donc les quatre premiers. Et il les possède, et c'est pour ça que je montre mes mains, c'est à travers ses mains et l'énergie en fait qui en dégage de cette entité qui maintient. Et c'est là que ça revient, Christophe. Donc Nicolas dans cette énergie-là de confusion, de ne plus savoir qui il est. Voilà, ok.
Donc là, Christophe, c'est lui qui t'a envoyé cette information? Oui, c'est de l'information Et violente. il a essayé de te créer une confusion? C'est-à-dire que quand je... Alors, ce n'est pas forcément à moi, mais Ouais. quand je suis connectée à Nicolas, il y a déjà cette confusion-là d'identité, en fait. Non, mais toi, ça t'a fait douter quand même, hein. Et moi, ça m'a fait douter parce qu'il y a il y a une puissance énergétique. Enfin, je n'ai pas l'habitude que ça se passe comme ça, en fait. C'est pour ça. Bah oui, oui, on n'est pas là pour avoir des habitudes. Hein. Ok, en tout cas, tu fais en sorte de ne pas être influencé, tu renforces ta bulle énergétique, regarde la nature de son essence, de ses énergies, et tu renforces ta bulle en fonction. Voilà. Donc là, oui, je l'observe. Donc c'est vraiment un reptilien type, on va dire, monstre, D'accord. tu vois, un petit peu. Et puis donc les yeux rouges qui sont très Okay. prominents. Et donc l'énergie qui sort de ses, on va dire ça, C'est là. de ses mains, ouais, griffes-mains, quelque chose comme ça. Alors, on va pas se disperser. Donc, bon, on a identifié qui c'était parce que par rapport au prénom. Maintenant, je veux que tu regardes dans tous ces corps les dispositifs que tu vois. D'accord. Puisqu'on commence toujours par ça et après, on voit qui est derrière. Il y a quelque chose, donc on commence par la nuque. Ouais. Donc c'est par là que l'énergie entre, en fait. Donc il y a une bousculade dans son système nerveux. Je sais pas, on dirait que c'est vraiment. Quand je dis nerveux, c'est-à-dire que ça, en passant par la nuque, ça vient toucher donc et son canal médiumnique. Enfin, toutes ces connexions énergétiques et aussi le système donc nerveux central. Voilà, c'est comme ça que je le perçois. Et c'est la brèche, c'est par là en fait que qu'il c'est vraiment un système nerveux. Et tu sais quoi, je le revois même embryonnaire. En fait, je viens de voir le système nerveux à l'échelle de l'embryon. D'accord. Cola était dans le ventre de sa mère en embryon. On voit le système nerveux et la C'est là brèche en fait. qu'il a agi. Exactement. Ok. Donc cette énergie qui rentre à l'intérieur, de quelle manière il l'envoie cette énergie? De quelle manière? Oui. Moi, c'est alors c'est par ses mains. Par comment dire, c'est ce pouvoir démoniaque qu'il y a en lui, en fait. C'est vraiment par les mains, comme je vois une énergie qui l'électrise comme ça, et qui entre, qui bloque, en fait, ces quatre corps subtils. Donc, c'est rentrer dans le système nerveux par rapport donc, au corps physique, corps éthérique. Et ensuite, ça a commencé à gangréner le corps émotionnel et le corps mental. D'accord, ok. Ça, en fait, ça gangrène. Et ça peut aussi continuer à gangréner encore ses corps supérieurs. Mais pour l'instant, il n'en est que sur ces quatre corps-là. Donc, je regarde Nicolas, du coup, pour les dispositifs. Donc, c'est pour ça qu'il y avait une charge électrique là. Qui déforme aussi sa physicalité, en fait. Il y a une compensation élémentaire à ce niveau-là. Il y a un système électrique aussi, un dispositif qui s'est rajouté donc, sur la glande pinéale. J'appelle ça un système électrique puisque ça crée une surcharge électrique. Ah, surcharge électrique. Ok. C'est toujours avec ses mains qu'il provoque ça ou pas? Ben là, c'est le dispositif qui est installé. Oui, c'est toujours avec ses mains. Ben, en fait, c'est la base, ses mains. Quand tu parles de dispositif, tu parles de quoi? Comment on appelle ça? Un piquet électrique. Comme, tu sais, le système GPS qu'on voyait qui clignotait. Ouais. Voilà, c'est le même style de. Mais ce n'est pas un GPS, puisque de toute façon, il le maintient comme ça. D'accord. La conception et le maintien avec ses mains. Mais c'est que ça surcharge, donc ça permet en fait de mieux appréhender la physicalité en 3D. Et je parle de l'entité. Hein. Oui, j'ai bien compris. Voilà. Ok. Il a plus de pouvoir et de poids sur la physicalité, c'est ça? Exactement.
Parce que ça crée une surcharge et ça demande à compenser pour le reste. Et à lui, ça lui cause quel problème alors? Alors, à lui, à Nicolas, ça. Donc là, j'ai une surcharge au niveau concentration, mémoire, donc tout ce qui est dans le crâne. Compensation de l'élémental au niveau du système sensoriel, je dirais donc au niveau des yeux et des oreilles, du système respiratoire aussi, enfin plus là, je dirais au niveau œsophagien. Donc ça surcharge ça. Et ensuite, par défaut, il y a une fuite d'énergie au niveau de son ancrage, donc au niveau aussi de son chakra racine qui est au ralenti. C'est-à-dire que le chakra racine ne fonctionne plus correctement. Donc il est désancré et j'ai l'impression de voir ses jambes comme du chewing-gum en fait. Ou comme ça, parce que justement, il n'a plus la main mise sur la physicalité et la 3D là, avec ses jambes. Il n'y a plus de stabilité, plus d'ancrage. Est toujours lié par tout cet ensemble-là d'énergie qui le manipule, enfin, c'est le terme qui me vient. D'accord. Il cède dans ses corps aussi. Au niveau extrasensoriel, les canaux sont fermés, bouchés, inexistants, je dirais. On dirait qu'ils sont même déformés, les canaux. Et là, ça crée aussi. Alors, c'est comme si on avait mis. Alors, la même chose du système électrique là, mais ce n'aura pas la même fonction. C'est au niveau du plexus, en fait. C'est pareil, ouais. C'est comme si on avait bouché le plexus, on avait mis un pic, comme ça, et qu'on l'avait tourné pour qu'il puisse bloquer le plexus. Et donc, à partir de là, il y a. Problème d'identité en fait aussi. C'est-à-dire qu'au niveau du plexus, dès qu'on le bloque, on l'arrête, il n'y a plus d'identité, plus de reconnaissance de soi, de soi-même, de son image, de qui on est, ouais. De nous-mêmes. L'oubli de soi, c'est toujours par rapport à soi. Voilà. Et bien sûr, les connexions tertielles sont coupées. Hein. Ouais, plus de connexion. Ok. Donc voilà le pic là. Et puis voilà, ouais, j'ai vu les jambes, c'est bon. J'ai fait le tour. T'as fait le tour. Donc il n'y a pas de système GPS, le mec c'était pas utile. Il a suffisamment la main sur lui pour. Oui. En tout cas, dans cette vie-là. Bien. Donc là, tu m'as dit que c'était donc ce monstre reptiloïde aux yeux rouges. Hein. Donc, il n'y a que lui que tu vois? Ou tu en vois plusieurs ou... Non, j'en vois pas plusieurs. Je vois toujours lui. On dirait qu'il agit seul. Il agit seul sur Nicolas. Ok. Alors, c'est quoi son objectif? Le posséder. Se nourrir. Il y a un système de nourriture énergétique aussi. Pouvoir posséder l'humain. Et pouvoir se sentir dans la 3D. Alors, j'ai le. Comment on appelle ça toutes les tentatives de suicide qu'il disait, qu'il a eues, en fait, c'est comme si à chaque fois il était sauvé. C'est-à-dire qu'à chaque fois, il n'allait pas le laisser mourir, en fait. Oui, parce qu'il a besoin de lui, c'est ça? Exactement. Parce qu'effectivement, okay. C'est un appel à l'aide de son âme à Nicolas. Enfin. Sorte d'appel à l'aide de pouvoir se sortir de cette situation-là. Ok. Et oui, il veut pas le laisser partir. Ok. Donc c'est lui qui l'a sauvé à chaque fois de toutes ses tentatives de suicide. Pour le garder son garde-manger et son. D'accord. Ok. Donc depuis quand est-ce qu'il est avec lui la toute première fois? Je compte à trois et tu y vas à la toute première. 1, 2, 3. Alors, c'est trois générations. Pourquoi je dis ça? Trois vies. Trois vies. Je ne sais pas pourquoi je dis trois générations d'ailleurs. Trois vies antérieures, oui. Et en fait, je le vois enfant, comme s'il avait un problème au niveau des nerfs. Comme un enfant, je dirais, handicapé. Mais c'est un problème au niveau des nerfs.
D'accord. Il va mourir jeune, d'ailleurs. Il a quel âge? C'est comme. Il a peut-être 9 ans. C'est comme les maladies. Je sais pas comment on appelle ça. Je sais pas si c'est les maladies auto-immunes aussi, au Oui. niveau des nerfs. Quelque chose comme ça. Dans les années 1750, 1751 exactement. Et on est où là? Y a une sorte de haute royauté, je dirais en Angleterre, quelque chose plutôt dans le nord de l'Europe, mais c'est là une haute royauté. D'accord. Donc lui, il fait partie d'une famille noble ou Oui, de la quand tu haute dis haute... royauté. Ah, il est de la haute royauté. Ah oui, d'accord. Des princes, je sais pas, ou futurs princes, quelque chose comme ça. Mais comme il est dysfonctionnant, il n'est pas du tout. On ne lui donne pas ce titre. Hein. Ok. Qu'est-ce qui fait qu'il est arrivé avec cette maladie comme ça là? Est-ce qu'il y a une cause ésotérique? Non, là, je vois tout de suite sa génétique, en fait. Ah, Problème d'accord. génétique dû à la consanguinité. Ah, consanguinité, d'accord. Bien. Alors donc, qu'est-ce qui se passe? Il quitte son corps et qu'est-ce qui se passe là? Donc l'entité l'appréhende et je le vois là, au niveau du système nerveux. Il prend, il donne une décharge en fait à ses corps subtils. Mais attends, il l'appréhende, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de consentement, il le prend comme ça, dès sa désincarnation, manu militari, tu veux dire? Oui, parce qu'il y a de toute façon une résonance avec la maladie. Donc c'est par le système nerveux, comme il y a cette défaillance. Donc, il profite à la désincarnation d'envoyer cette énergie-là. D'accord, ok. Donc il n'y a pas de consentement, il n'y a pas d'approche comme ça, de séduction ou autre. Il y va direct. Oui, bah, tout comme il a fait avec Nicolas ensuite. Ouais, d'accord, ok. Juste pour savoir. Bien, alors, je suppose, donc ces incarnations, c'est lui qui gère ces incarnations depuis alors. Oui. Et les lignées, c'est lui également. Oui, D'accord. exactement. Bien, alors je suppose que pendant que tu as ces informations, que toutes les parties de Nicolas prennent conscience et connaissance de cette situation et de leurs conséquences. Oui. Ça fait partie de leur bagage de connaissances et de futures compétences. Combien est-ce qu'il a eu de vies humaines dans cette boucle de manifestation de son soi supérieur? 15. 15 vies humaines. On va aller voir d'où il vient avant d'entrer dans cette fausse matrice. 1, 2, 3, et sous quelle forme? Alors ça me fait sourire parce que je le vois comme un petit être, un élémentau de terre, Un que lui, élémental. un élémental, ouais, des élémentaux. Un élémental, ouais. Élémental de la terre, type lutin. En fait, c'est très, très souriant, très joyeux. C'est très agréable comme énergie et on est en quatrième dimension. Forcément, oui. Sur la planète Terre, c'est là qu'il est logé, et sur Terre. D'accord. On est à quelle époque, là, à peu près? La matrice est là ou pas, la fausse matrice? Difficile à définir, non. Elle n'est pas encore là. Mais c'est comme s'il y avait une énergie différente qui était en train d'arriver. Et en fait, une sensation, comme une alarme intérieure, une sensation qu'il y a quelque chose qui ne va pas, C'est précurseur à la matrice, quoi, c'est ça? qui va déstabiliser l'environnement. Voilà, c'est ça. Ok. Et donc là, avant d'entrer dans cette forme de manifestation en tant qu'élémental de la Terre, avant, il venait d'où? Directement du soi supérieur ou il venait d'autres planètes ou... Oui, il y avait une autre planète de type pareil, lutin gnome. Dans cet univers, j'ai la planète Oa. J'ai pas de constellation, c'est juste une planète. Oa, Ouais, O avec un accent comme circonflexe. pas circonflexe. Comme les Espagnols, tu sais, ils ont une vague comme ça dessus, je sais pas comment ça Ah s'appelle. oui, d'accord, ok. Ah O. oui. Oa. A. Puis là, l'accent avec un point, parce que c'est bien appuyé. Il y a une
une fréquence différente pour la sonorité. Et c'est donc il vient d'une planète qui n'est pas d'une constellation qui n'est pas connue alors? Non, moi je il n'y a rien qui me vient d'une constellation, c'est la planète d'origine, en fait. Donc là aussi, il est sous forme de gnome? Exactement. D'accord. De lutin. Qu'est-ce qui fait qu'il est venu sur Terre à partir de là alors? C'est comme des par comment dire définition, par mission de définition, d'aller travailler sur les futures planètes en quatrième dimension. D'accord. Chose okay. De comme de logique en fait, que ça voilà, ça fait partie de leur vie. Ok. Donc là, il est sur la Terre en quatrième dimension et la matrice est en train de commence à s'installer, c'est ça? Oui. Qu'est-ce qui se passe pour lui alors si tu avances dans le temps? Il y a comme des sortes de déséquilibres dans l'environnement, des énergies de force un peu plus obscures, plus denses en tout cas pour eux. C'est déstabilisant, donc ils sont obligés en fait de renforcer leur dimension. Et j'allais dire entre guillemets de se cacher en fait. J'ai la sensation de se cacher aussi, c'est-à-dire de se mettre dans des endroits où ils ne seront pas vus. Oui. Et ensuite. Et à partir de là, il y a comme une perte d'énergie dimensionnelle, si je peux appeler ça comme ça, où il se perte, fait perte de fréquence quoi, une baisse de fréquence. Une fréquence où il se fait comme prisonnier, mais c'est prisonnier en fait de des roues d'incarnation. C'est comme une aspiration, parce que je vois toujours comme ça en fait. Les personnes se font aspirer énergétiquement puisqu'il n'y a rien de stable dans cet environnement. Ok. Et la première manifestation en 3D, c'est en tant qu'humain? Alors là, bizarrement, non, je vois des animaux à ouais. Quatre pattes, des genres félinoïdes. Quatre pattes, oui. Mammifères à quatre pattes sur Terre. Oui. Félin. En félin, genre, je ne sais pas comment il s'appelle, pas le sphinx, mais... Lynx. Lynx, voilà, merci. Sphinx, c'est l'oiseau. C'est pas un oiseau, c'est bien un lynx. Ouais, genre okay. Ce type-là. Il a eu combien de vies animales comme ça? Il en a eu trois. Trois vies, toujours félinoïdes Oui, dans ce type-là, de pays un peu... chaud, je dirais. Il n'y a pas de froid. Plutôt dans des pays chauds, tempérés. Pas de froid. Et ensuite, donc, la première vie humaine, c'est lui qui le choisit ou pas? C'est lui qui le choisit. Il choisit là. D'accord. Et comment s'y prend-il alors? Quand il se fait recycler, en fait, hein, dès qu'il retourne dans les roues d'incarnation, il y a un élément à choisir. Comme un ordinateur. Ouais. Et il choisit une vie humaine. Et il choisit une vie humaine type préhistorique, préhistoire. Ok. Bien. Alors, à présent qu'on en sait un peu plus sur son cursus de son soi supérieur pour cette boucle de manifestation, tu peux revenir ici maintenant. Voilà. Si tu le scans encore, est-ce que tu vois des choses qui n'ont pas été vues, même si tout disparaîtra, ou des informations qui pourraient nous être utiles? Non, c'est bon. C'est tout vu. Bien. Regarde son ADN éthérique, confirme-moi qu'il s'agisse bien de lui. Si son ADN est entièrement issu de son essence, s'il a été trafiqué ou pas? Non, c'est son ADN. Alors, demande-lui s'il accepte que nous travaillions pour lui, sur lui et avec lui au cours de cette session. Oui. Puisque nous avons son accord en son nom, nous allons convoquer toutes les entités en lien direct et indirect avec lui jusqu'au plan archavélique. Qu'elle le veuille ou non, qu'elle se cache ou non, elles n'ont pas le choix. Je compte à trois et elles sont toutes apparentes. 1, 2, 3. Oui. Bien. Alors, à part ce reptiloïde démoniaque, qui vois-tu d'autre? Des entités démoniaques opportunistes qui appuient sur toutes les failles émotionnelles et mentales. Des croyances et des programmes qui sont déjà là, installés. Quelles sont les failles alors? Il y a des failles d'illusion de soi-même, d'oubli de soi-même, problème d'identité, d'impuissance, des failles émotionnelles de
de colère et de rejet, mais de rejet de l'environnement, le rejet de l'autre, de se sentir toujours attaqué. Donc c'est une forme de rejet, en fait. C'est elle qui appuie sur ses failles. Ok. Alors, qui vois-tu d'autre? Les gestionnaires de la matrice, hiérarchie jusqu'aux archontes. Est-ce que tu vois des parasites? Non, il n'y en a pas. On n'a pas vu. Alors, il déclare à tout ce petit monde qu'ils auront tout pacte, contrat, engagement, consentement, vœux, souhaits, permissions, serments, allégeances, alliances, promesses, accords, tacites ou non, conscients ou non, de manière rétroactive, sur tous les plans, dans toutes les boucles, toutes les couches, toutes les vies, toutes dimensions, toutes fréquences, tout espace-temps, toute bulle de création, par toutes les portes cachées, tout ce qui est secret, dans tous les plis et replis des espaces-temps, dans tous les différents états de conscience, et tout ce qui est connu et inconnu en général. On ouvre un grand portail dimensionnel et toutes les entités vues et pas vues jusqu'au plan archaïque. Tout dispositif vu et pas vu, tout ce qui n'appartient pas à ces corps, énergie, conscience et information d'origine, vu et pas vu, disparaît avec trace, mémoire, empreinte, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation sur tous les plans multidimensionnels, quantiques, fractales et autres inconnus. Tu ouvres un grand portail dimensionnel et tout disparaît totalement. 1, 2, 3. Oui. Tu le refermes et tu l'effaces. Oui. Nicolas se place dans une bulle christique de protection. Oui. Il se crée des racines jusqu'au cœur de Gaïa et aspire énergie, substance, vitalité, structure. Oui. Il se connecte à la source. Il se connecte à la source et fait descendre information originelle, énergie, conscience, puissance créatrice et amour. Oui. Il reprend d'énergie, se restructure, se ravigore, prend de la vitalité et se souvient de qui il est en essence, au-delà de toute forme, et le ressent pleinement. Oui. Comment est-ce que tu vois Nicolas à présent? Il se sent différent. Il y a quelque chose de nouveau à l'intérieur de lui. Donc on peut ressentir comme une légèreté, un soulagement. Bien. Maintenant, dis-moi comment réagit cette entité. Alors, par tous les moyens, elle essaie de le retrouver dans les plans, les lignes de temps. Mmh. Et non, le système GPS n'est plus là, mais on dirait qu'elle a des sauvegardes. Enfin, c'est pas un GPS, mais... On va regarder tout ça en détail. Hein. Ouais. Est-ce qu'il est conscient de notre présence ou pas? Non, là non. C'est ce stade-là. Ok. Bien, donc on va le bloquer, on va tout bloquer sur tous les plans, comme un arrêt sur image. 1, 2, 3. Oui. Voilà, maintenant tu vas te revenir en arrière, tu te positionnes à un moment juste avant que l'entité réalise qu'il se passe quelque chose. Oui. Tu ouvres un portail dimensionnel et on vire tout. 1, 2, 3 sur tous les plans. Oui. Tu le refermes et tu l'effaces. Oui. Regarde la bulle énergétique de Nicolas, dis-moi s'il reste quelque chose. Oui, il y a des traces énergétiques, des réminiscences. Alors, on enlève tout sur tous les plans, les arrière-plans, les reflets miroirs, toute ligne de temps jusqu'aux réminiscences, système racinaire et périphérique. La prochaine fois, pour faire plus court, je dirais comme précité. 1, 2, 3. Oui. Vérifie s'il reste quelque chose en arrière-plan. Non, c'est bon. Bien, alors dis-moi si cette entité a des moyens de le retrouver, de le repérer. Oui, par les lignes de temps là, qui déploient. Combien est-ce que tu envoies et dans combien de dimensions? Alors, il y a 5 lignes de temps sur 4 dimensions. Alors, tu ouvres un portail et on vire. 1, 2, 3. Oui. Tu refermes et tu l'effaces. Oui. Maintenant, vérifie si cette entité a encore un moyen ou un autre de le retrouver et de le repérer. Oui. Des sauvegardes qui s'activent, des sauvegardes de son système nerveux au niveau énergétique. Elles sont où ces sauvegardes? Où est-ce qu'il les a placées? Dans un ordinateur central à lui. D'accord. Dans ses mains, quoi. Ok, donc on va éliminer tout ce qui est en lien avec Nicolas, ok? Sur tous les plans, toutes fréquences, toutes dimensions. 1, 2, 3. Oui. Vérifie s'il reste quelque chose quelque part.
Alors oui, bizarrement, il y a des liens avec sa première vie qu'il a prédatée. Des liens. Tu veux dire qu'il y a des liens à couper? Oui. Alors, il coupe tous les liens sur tous les plans que l'on peut citer. 1, 2, 3. Oui. C'est bon. Voilà, regarde s'il reste quelque chose quelque part. Non, c'est bon là. C'est bon. Il n'a aucun moyen de le retrouver, de le repérer. Non, il n'y a plus rien, je le vois plus. Rien n'est dissimulé, caché. Non, je ne vois pas. Parfait. Tu parlais de système GPS tout à l'heure. Il n'y a pas? C'était pas ça. C'était. D'accord. Ok. Alors, on va demander, on va voir son soi supérieur. Je veux savoir où il réside et dans quelle situation tu le vois. Alors, sur le plan Morentiel, et il observe. D'accord. Il n'a pas cherché à intervenir. D'accord. Comment est-ce que tu vois son âme? Triste, je dirais. Très, très triste. Épuisée et triste. Est-ce la partie séminale? Elle est déstabilisée. D'accord. Alors, on va demander au sens supérieur s'il est adéquat que nous partions du plan Morentiel pour recréer une nouvelle ligne de temps et une incarnation à neuf, avec l'accès à son plein potentiel intérieur, dans un équilibre, une harmonie et une santé parfaite, un parfait équilibre, une parfaite sécurité intérieure et l'amour qu'il est. Oui. Alors, on y va. 1, 2, 3. Oui. De cet espace morentiel, je suppose que la partie de lui qui y réside, c'est pourquoi nous sommes là. Oui. Je lui propose d'aller à l'origine de son incarnation en tant que Nicolas pour recréer une nouvelle ligne de temps et une incarnation à neuf, avec l'accès à son plein potentiel intérieur, dans un équilibre, une harmonie et une santé parfaite, une parfaite sécurité intérieure et l'amour qu'il est. Est-ce que c'est correct pour lui? Oui. Alors nous y allons en mode de dépassement quantique, c'est-à-dire simultané et immédiat, sans passer par aucune condition ni influence de la matrice artificielle. 1, 2, 3. Oui. Sur cette nouvelle ligne de temps et dans ces nouvelles conditions, demande-lui quels sont ses projets pour la vie de Nicolas. Vivre cette incarnation sereinement. C'est surtout ça, surtout sereinement. Être en paix avec lui-même. D'accord. Quel moment choisit-il pour entrer dans sa nouvelle physicalité? Au moment, juste un peu avant la conception. À quel pourcentage est-il connecté à ce moment-là à la source? 96%. Tu l'invites à monter à 100%. Oui. Il se crée des racines jusqu'au cœur de Gaïa qu'il programme uniquement pour cette existence. Oui. Voilà. Maintenant, tu regardes son arbre généalogique. Comment le vois-tu? Alors, il y a comme une fuite, je dirais. Comme une sorte. Alors, au milieu de. Je dirais plus vers le côté droit d'ailleurs de l'arbre, mais c'est vraiment. C'est entre le centre et le côté droit de l'arbre. Il y a comme une sorte de tuyau qui est inséré et qui sert de canalisation. Ça fuit. Voilà. Il y a une fuite d'énergie, en tout cas, sur l'arbre. Il se sent fatigué. Et les consciences qui sont accrochées aussi, du coup, dans le sens symbolique. Que la vie est fatigante et difficile. D'accord. Donc il y a quand même un problème de polarité puisque ça te penche plus à droite. Plus, ouais, c'est plus Masculin. centre droite, côté masculin, oui. Un peu plus, oui. Qu'est-ce que ça crée comme problème alors? Dans la relation masculin-féminin? La relation, des discordances de communication intenses, je dirais. Des violences aussi, ça peut créer de la violence verbale, hein, pas forcément physique. Et un décalage de réalité aussi, avec soi-même, à l'intérieur de soi-même. Ok. Comment est-ce que tu vois que ça impacte Nicolas? Il y a une sensation d'isolement intérieur qui est puissant, qui est là. C'est comme s'il y avait un vide intérieur en lui. Et un combat permanent, en fait, je veux dire, il y a une sorte de combat, toujours, parce qu'il y a cette fuite-là qui fatigue beaucoup. Ça permet toujours d'essayer de sortir la tête de l'eau, mais on coule, en fait. Ok, on va demander à la conscience de l'arbre si nous sommes autorisés à intervenir sur lui.
Oui. Alors, tu vas à l'origine de cette situation à la toute première fois. 1, 2, 3. Oui. Voilà. Nous sommes à combien de générations en arrière? 37. Que se passe-t-il à ce moment-là? Alors, juste après les roues d'incarnation, que l'arbre soit sorti, il y a des entités démoniaques en fait qui placent cette sorte de gouttière, hein, donc de canalisation tranchant dans l'arbre. Ok. Alors, est-ce que tu peux trouver un moment où cet arbre est parfaitement libre et non encore repéré? Oui. Tu te présentes à lui à ce moment-là, tu lui donnes les informations de ce qui pourrait survenir si rien n'est fait, et tu lui proposes de trouver une solution créatrice pour que cette situation n'arrive jamais. Que choisit-il de faire? Une haute montée de fréquence qui le place hors du champ de perception de ces entités sur un autre plan. Bien, on va compléter ça par une connexion de l'arbre à la source pour faire descendre information originelle, énergie, conscience, puissance créatrice et amour, touché en plein cœur et dans sa conscience. Que se passe-t-il pour lui et toutes les âmes qui y sont accrochées? C'est comme s'il se reconstruisait. Il se reconstruit et les âmes ressentent plus de vitalité en elles. Et la communication est beaucoup plus fluide entre les polarités là maintenant. Bien. Comment est-ce que tu vois que ça impacte particulièrement Nicolas? Au niveau du chakra du cœur, c'est comme si ça venait le toucher dans son amour-propre. C'est-à-dire la sensation de se sentir en vie et de s'aimer. Voilà. Donc, ce qu'il sort de l'isolement aussi. D'accord. Alors, est-ce que tu peux l'inviter à créer des voies de communication par le cœur, d'ouverture de conscience et d'autres guérisons pour tous les membres de sa lignée? Oui. Allons-y. Il enroule son arbre avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire, issu de sa propre source. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. Que compte-t-il faire avec lui à présent? Est-ce qu'il veut le couper partiellement ou entièrement? Est-ce qu'il veut réaménager, réinformer, transmuter ou autre? Il va le couper à 26% et réinformer le reste. Dis-moi quand c'est fait. C'est bon. Bien, à présent, on va regarder son ADN. Donc, que compte-t-il faire avec lui? Est-ce qu'il veut le refaire entièrement à neuf ou partiellement? Est-ce qu'il veut réaménager, réinformer, transmuter ou autre? Il le refait à 9. Alors, on élimine l'ancien dans les mêmes conditions que précité. 1, 2, 3. Oui. Il le recrée à neuf avec le gabarit de l'arbre de création dans la version la plus adéquate compte tenu de ses propres objectifs d'incarnation. Oui. Combien vois-tu d'hélices? Combien sont connectées et combien sont activées? Il y a 5 hélices et il y en a 4 d'activées. Alors, est-ce qu'il peut activer la cinquième? Oui. Allons-y. C'est bon. Peut-il rajouter de nouveaux programmes? Oui. Allons-y également. Et dis-moi quelle différence ça fera pour lui. Ça va sécuriser et renforcer sa base énergétique. Très bien. Alors à présent, nous allons donc faire une chose qui est très récente, qui est le processus d'élimination des codes matriciels, donc pour les libérer donc, de l'influence et des contraintes de la matrice. Donc ça, c'est une partie qui va rester privée, donc j'arrête l'enregistrement. Donc puisque nous sommes sur l'ADN et avec ce que nous avons fait par rapport au code matriciel, dis-moi si tu vois qu'il est utile d'éliminer ou s'il y a encore des programmes de l'intelligence artificielle et art quantique. Oui. T'en vois encore? Oui, dans les termes soubassement, c'est-à-dire au niveau de ces corps subtils, proches du corps physique. D'accord. Donc ça n'a pas tout éliminé en cascade sur tous les plans. Ça a fait que les parties supérieures, là où la brèche était, enfin là où étaient les portes autobloquantes. D'accord, ok. Donc on va éliminer ça sur tous les plans, comme précité. 1, 2, 3. Voilà. C'est-à-dire que là, je sens au niveau des chakras souterrains, par exemple, que ça s'expanse plus. D'accord. Tu vois des problèmes spécifiques liés au manque?
Alors non, juste ce que je perçois, ce sera des sortes de lumières qui vont clignoter par rapport à ces programmes dans le corps mental, en fait. D'accord. Pourquoi est-ce qu'elles sont là et pourquoi clignotent-elles? Parce que c'est encore limitant pour lui dans cette sphère-là. J'ai pas compris. Qu'est-ce qui est limitant pour lui? Les programmes que tu viens de citer. Tu vois encore des programmes, tu veux dire, à éliminer? Dans le corps mental, oui. Ok. Alors, on va éliminer tous les programmes limitants dans son corps mental. 1, 2, 3, sur tous les plans comme précité. Oui, voilà. Voilà. Qu'est-ce que tu vois maintenant qui reste? Rien. Là, c'est bon. Ok. Bien. Alors, à présent, il va enrouler son ADN avec autant de... Non, déjà, il remplace tous ses programmes par ses propres programmes avec sa propre essence. Oui. Voilà. Maintenant, il enroule son ADN avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire, issus de sa propre source. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. Voilà, maintenant, il va remonter sa ligne de temps juste avant sa naissance. Dis-moi à quel pourcentage était connecté à ce moment-là à la source. 75%. Bien, il remonte à 100% tout en vérifiant ses racines et en créant l'équilibre. Oui. Il s'apprête à venir au monde, il envoie de l'amour dans le ventre maternel, dans l'environnement, il vient au monde. Oui. Et il remonte toute sa ligne de temps jusqu'à ici et maintenant, en se souvenant de qui il est, en essence, au-delà de toute forme et en le ressentant pleinement. Dans sa souveraineté, sa liberté, son autonomie, son unité, sa puissance intérieure, sa créativité illimitée, un équilibre, une harmonie, une santé parfaite, une parfaite intégration bien sûr, sécurité intérieure et l'amour qu'il est. Oui. Il enroule cette nouvelle ligne de temps avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire, issue de sa propre source. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. Et nous effaçons l'ancienne ligne de temps avec tous les potentiels coexistants, des passés, présents, futurs, sur tous les plans, multidimensionnels, quantiques, fractales et autres inconnus, dans toutes les boucles, toutes les couches et toutes les vies. Oui. Et il déclare que tout ce qui est inhérent, attenant et afférent à l'ancienne ligne de temps sur tous les plans, dans toutes les vies, toutes dimensions, toutes fréquences, tout espace-temps, toute bulle de création, avec traces, mémoire, empreintes, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation, que tout soit rompu et effacé. 1, 2, 3. Oui. Et pour accélérer la manifestation de tout ce qui a été fait jusqu'à présent, y compris pour l'arbre généalogique et pour chacune des consciences concernées, tu vas baliser un chemin énergétique pour faire redescendre les énergies et les informations sur le plan physique en 3D. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. Et je vais conseiller à Nicolas d'être pleinement présent, participatif et actif pour tout le processus qui va suivre jusqu'à la fin de la séance, c'est-à-dire vivre, ressentir, imaginer au maximum et acquiescer à tout ce qui est proposé pour faciliter les intégrations. Et donc, j'invite les personnes qui voient cette vidéo à en profiter pour elles-mêmes à partir de maintenant. Rompre et effacer. Tout pacte, contrat, engagement, consentement, vœu, souhait, permission, serment, allégeance, alliance, promesse, accord, tacite ou non, conscient ou non, de manière rétroactive. Rompre avec les lois matricielles et archiavéliques, les lois du karma, avec tous les archétypes et les égrégores, ainsi que les lois de conséquentialité dans les mêmes conditions que précitées. Oui. En ce qui nous concerne, nous rompons également les lois de conséquentialité sur tous les plans et pour toute la séance. 1, 2, 3. Oui. Nous éliminons toutes les programmations d'auto-sabotage, quelles qu'elles soient et où qu'elles soient, sur tous les plans. 1, 2, 3. Oui. Effacer les peurs, les traumatismes, les doutes, les croyances limitantes et les pensées racines. Couper avec tous les mécanismes de contrôle venant de l'extérieur de son être qui empêche, entrave, limite sa liberté, son autonomie, son discernement, sa souveraineté, sa créativité illimitée, sa puissance originelle et son auto-guérison, bien sûr avec son équilibre parfait sur tous les plans. Oui. Vérifie maintenant s'il y a des copies ou des parties de lui quelque part. Non, il n'y en a pas. Alors, il intègre tout ça dans ses différents états de conscience. Oui. À présent, il déclare : « Je déclare officiellement qu'à partir de maintenant,
l'usage exclusif de mon canal, de tous mes canaux de perception, de tous mes corps et de mon essence est réservé à l'énergie christique et à toutes les instances issues de ma propre source et rien ni personne d'autre. Oui. Il rajoute, j'exige et j'ordonne à toutes les entités, leurs contrats, pactes, etc., à leurs organisations et associations auxquelles je renonce de cesser d'agir et de quitter mon champ d'énergie et de création, maintenant et à jamais, de manière rétroactive, en menant avec eux tous les contrats, pactes, dispositifs, implants, technologies de toutes sortes et les énergies reproductives connues et inconnues. Oui. À présent, nous allons aborder la partie psychologique. Si tout ne concerne pas Nicolas, tout y est proposé, c'est lui qui fera le tri. Il déclare « Je me libère de toutes mes tendances à paniquer pour des riens, à m'offenser facilement, ainsi qu'à m'impatienter inutilement. » Oui. « Je me libère de toutes mes tendances à tenir rancune aux autres ou à m'en vouloir à moi-même pour quoi que ce soit. » Oui. « Je me libère de toutes mes tendances à ruminer mes déceptions et à ne pas complètement aimer la vie que je mène. » Oui. Je me libère de toutes mes tendances à me critiquer et à me juger âprement pour tout motif qui soit. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à la neurasthénie ainsi qu'à l'épuisement moral et physique. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à me sentir en danger dans la vie et à avoir peur de l'avenir. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à me faire des soucis et à manquer de concentration sur les tâches que je veux accomplir. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à me révolter contre ce que je ne suis pas en mesure de changer. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à l'intolérance envers moi-même ou envers qui ou quoi que ce soit d'autre. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à me sentir coupable de quoi que ce soit et à toujours tout vouloir contrôler. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à l'agressivité et à m'emporter contre moi-même ou contre les autres. Oui. Je me libère de toutes mes tendances au pessimisme et à croire que le monde va complètement de travers, même si c'est vrai. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à sombrer dans la tristesse et le désespoir. Oui. Je me libère de ma tendance à me croire vulnérable. Oui. Je me libère de ma tendance à me victimiser, à me croire incomplet et impuissant, incapable, indigne et sans valeur. Oui. Et je me libère de toute identité dans la forme, quelle qu'elle soit, le « je » dans la forme humaine ou autre n'est pas qui je suis vraiment. Oui. À présent, il déclare « Je possède une force innée qui me donne la puissance pour transformer mon existence d'une manière qui me profondément bénéfique. » Oui. « Je suis en charge de ma destinée et choisis à présent de me délivrer de mes souffrances intérieures afin que mon avenir soit baigné de joie, de bonheur, de santé, d'équilibre, de succès, de créativité, d'amour, d'abondance, de plaisir, et j'en passe les meilleurs. » Oui. En me libérant de ce qui me fait souffrir et en cessant de me faire souffrir à propos de qui ou de quoi que ce soit, je maîtrise ma vie et fais venir à moi tous les bienfaits que j'en attends et que surtout je co-crée. Oui. Car je comprends que je suis entièrement créateur de ma réalité, donc responsable, d'autant plus que maintenant, je suis libre et que j'ai compris. Oui. À présent, le protocole du pardon. Il déclare, de mon plan humain et des autres s'il en est, je demande pardon à tout ce qui a besoin d'être pardonné et à tous ceux qui sont concernés. Oui. Je me pardonne totalement en tout et pour tout. Oui. Et je pardonne totalement à tous et pour tous, sur tous les plans, multidimensionnels, quantiques et fractales, dans toutes les boucles, toutes les couches et toutes les vies. Oui. Et je comprends que du point de vue supérieur, que tout est illusion et scénario, que chacun fait de son mieux, et qu'il n'y a que des innocents et des ignorants, compte tenu des systèmes matriciels en place, et qu'en définitive, il n'y a rien à pardonner à personne, que tout est dans la perfection, et que chacun est à sa juste place dans son propre apprentissage. Oui. Je sais maintenant que toutes les imperfections
font partie de la perfection et que je suis libre de ne voir que cette dernière, d'autant plus que c'est beaucoup plus satisfaisant. Oui. Je sais également que la vie n'est qu'un grand jeu et un grand théâtre, et j'entends la reprendre entièrement en main et en profiter pleinement. Oui. À présent, il déclare. Je déclare et j'affirme. Ma pleine autorité, souveraineté et puissance créatrice dans ma légitimité divine, sur tous mes plans de réalité et dans toutes mes bulles de création. Oui. Je suis le maître de mon jeu et de ma scène. Oui. À présent, nous allons effacer les mémoires akashiques. Il ne conserve bien sûr que ce qu'il estime juste et bon pour lui, et nous éliminons tout le reste dans les mêmes conditions que celles précitées dès l'enseignement de temps avec tout ce qui a été dit et déclaré. 1, 2, 3. Oui. Vérifie s'il reste quelques traçages ou marquages matriciels ou archiavéliques ou tout autre moyen de le repérer. Non, il n'y a pas. Alors, il entre dans tous ses corps comme un téléchargement jusqu'au plan biologique, jusqu'à la moindre cellule, atome, particule. Oui. Il fait connaissance avec l'élémental de son corps. Comment le vois-tu de ton côté? Il est de forme humaine, il crée des connexions avec la fleur de vie et sa graine de vie. Dis-moi quand c'est fait. C'est bon. Il lui demande de procéder aux harmonisations, rééquilibrages, réajustements, auto-nettoyage, auto-guérison, etc. de tous ses corps, de sa biologie, de tous ses systèmes, ses fonctions et des organes. Oui. Pour chacun, donc, pour les faciliter, on les connecte à l'eau primordiale, avec dans chacune des molécules une fleur de vie, graine de vie et double de l'hémiscate activée. Oui. Connecté, la cellule mère de son corps à la cellule primordiale. Oui. La molécule mère à la molécule primordiale. Oui. L'atome mère à l'atome primordial. Oui. L'électron mère à l'électron primordial. Oui. Le proton mère au proton primordial. Oui. Le neutron mère au neutron primordial. Oui. Le neutrino mère au neutrino primordial. Oui. Le tachyon mère au tachyon primordial. Oui. Les différentes particules quantiques mères aux différentes particules quantiques primordiales. Oui. La particule adamantine mère à la particule adamantine primordiale. Oui. La particule de lumière mère à la lumière primordiale. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. Connecter et informer la cellule mère au soleil central. Oui. Connecter et informer la cellule mère au soleil central. Oui. Désactiver tout ce qui est magnétique et électromagnétique en dehors de ses propres champs naturels, bien sûr. Oui. Éliminer toute restriction en regard de la lumière originelle, de la pulsion de la lumière originelle du soleil central sur le plan cellulaire. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. Installation de programmes anti-ondes des fréquences nuisibles avec les couches supplémentaires. Oui. Aille contre les influences de la conscience collective avec son corps diamantin. Oui. Aille contre les influences lunaires et toutes ses phases. Oui. Aille contre toute substance nocive à l'intérieur, sur et autour de lui, quelle qu'en soit la nature, l'origine et l'époque. Oui. Voilà. Regarde ce programme, comment ça agit par rapport aux substances qu'il prend. Ça dissout les substances dans le subtil, déjà. Ouais, ça dissout, ça efface des traces aussi, des résidus. Et ça... comment dire, amenuise l'impact au niveau du corps physique. D'accord. Donc, il ne conserve que ce qu'il est utile. Oui. Bien. Donc, installation de programme contre les nuisances des ordinateurs et de l'intelligence artificielle sous toutes ses formes. Oui. Un contre la vacticulation. Oui. Et un contre les vacticulés, quelles qu'en soient les versions reçues. Oui. Que tous ces programmes soient stabilisés et indestructibles. Oui. Pour ce faire, qu'ils soient adaptables à chaque situation, y compris aux variations des lignes temporelles. Oui. Installation de l'arbre de création et activation dans les deux sens. Oui. Installation de fleur de vie, graine de vie et double de l'hémiscate activée.
Oui. À présent, il crée son code de vie et il l'active également. Oui. Que tout soit stabilisé, sécurisé, pérennisé et concrétisé. Oui. Voilà. À présent, nous travaillons sur l'atlas et la colonne vertébrale. Tout d'abord, nous éliminons toute trace, mémoire, empreinte, écho, résonance, etc. pour chacune des parties, sur tous les plans, comme précité. 1, 2, 3. Que chacune d'elles soit connectée au chakra cardiaque pour recevoir amour et force de vie. Oui. Au cœur de Gaïa pour recevoir énergie, substance, vitalité, structure. Oui. Et à la source pour recevoir information originelle, énergie, conscience, puissance créatrice et amour. Oui. Et je vais conseiller donc à Nicolas, dans la mesure du possible, d'imaginer, de visualiser et ressentir au maximum pour faciliter les intégrations. À toi de jouer. À partir de son chakra cardiaque se déploie une onde puissante, tourbillonnante de couleur bleutée, qui englobe son espace énergétique et physique dans une sphère sécurisée. Elle monte en puissance. Alors, il se place au centre et déplace tout doucement son atlas, qui libère une onde puissante descendant le long de la colonne vertébrale, reliant et réinitialisant les vertèbres entre elles, ainsi que les organes et systèmes associés, arrivée au niveau du coccyx en puissance, elle pulvérise et expulse des amas denses et sombres de mémoire traumatique hors de la sphère sécurisée. C'est fait. Bien, il enroule sa colonne vertébrale jusqu'au chakra coronal avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire issus de sa propre source. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. Je propose à son élément mental l'ensemble des systèmes principaux pour lesquels il travaille pour chacun dans le détail et dans le global, et ensuite dans la globalité de tous les systèmes en lien, relation et synergie les uns avec les autres. Oui. Pour chacun, il procède par annule et remplace. Oui. De l'autre côté, nous éliminons toute trace, mémoire, empreinte, écho, résonance, etc. pour chacun des systèmes, sur tous les plans, comme précité. 1, 2, 3. Oui. Que chacun d'eux soit recréé à neuf, avec le gabarit de l'arbre de création dans sa version originelle. Et qu'il soit connecté au chakra cardiaque, au cœur de Gaïa et à la source. Oui. Système cérébrospinal, Oui. nerveux, Oui. sanguin, Oui. lymphatique, Oui. énergétique des méridiens, Oui. osseux, squelette, articulation, cartilage, tout ce qui est afférent et attenant, Oui. musculaire, Oui. cardiovasculaire, Oui. respiratoire, endocrinien, glandes immunitaires et hormonales, Oui. digestif et métabolique, Oui. urinaire, émonctoire, évacuation, élimination, Oui. système des cellules, de la peau et des tissus spécialisés, système des cinq sens et des sens extrasensoriels. Pour chacun, on élimine toutes les programmations limitantes. 1, 2, 3. Oui. Voilà. Pour le système extrasensoriel, protection et sécurisation de chacun des canaux et activation. Sécurisé et activé. Système visuel, Oui. auditif, Oui. olfactif et gustatif, Oui. kinesthésique, Oui. système dentaire et le tableau général, Oui. système bioélectrochimique, Oui. équilibre acido-basique, Oui. cycle vitaux organique et systémique. Oui. Le tableau général de tous les systèmes. Oui. Et que chacun d'eux soit stabilisé, sécurisé, pérennisé et concrétisé. Oui. À présent, c'est l'ostéopathie générale au plus près de la physicalité. Alors, il se sert d'une sorte de diapason multifréquentiel qui vient accorder chaque vibration sur chaque organe, système, qui crée des résonances dans chaque tissu, tendon, muscle, cartilage, jusqu'au cœur des cellules. C'est toute sa physicalité qui se place dans un nouvel état d'être. C'est fait. Micro-kiné,
Il actionne les points de correspondance qui déploient harmonieusement ses corps subtils. C'est fait. Massage métamorphique. Il adapte à ses propres fréquences cette onde d'énergie toujours disponible. C'est bon. Voilà. Et donc, fascia thérapie. Rééquilibrage et réajustement des fascias dans toute sa physicalité. C'est bon. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. Nous abordons à présent les systèmes de chakras et des glandes associées. Tout d'abord, que chacun des chakras soit connecté au cardiaque, au cœur de Gaïa et à la source. Oui. Que chacune des glandes soit décalcifiée, nettoyée, activée, interreliée et optimisée. Oui. Au sein de chacun des chakras, on installe fleur de vie, graine de vie et double lémiscate activée. Oui. Voilà. À présent, donc, le chakra secondaire. Oui. Souterrain. Oui. Aérien. Oui. Les corps associés aux chakras principaux, combien en comptes-tu? On a 7. C'est bon. Centrage et alignement. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. Nous allons procéder à l'élimination des sanskaras, les mémoires de souffrance. Pour cela, je te laisse les rassembler. Tu me dis quand c'est bon. C'est bon. Alors, on y va sur tous les plans, comme précité. 1, 2, 3. Oui. On voit d'autres en arrière-plan? Non. Alors, stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. À présent, les donc programmation de vieillissement au sein de l'ADN, de cellules et de sa biologie. Pour cela, nous allons donc utiliser la loi de l'inversion pour en faire des programmes de rajeunissement et de régénération. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. Harmonisation et rééquilibrage des 5 éléments. Et on commence par l'élément terre. Oui. Air. Oui. Eau. Oui. Feu. Oui. Et terre. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. À présent, c'est le masculin sacré et le féminin sacré. Il déclare que tout ce qui empêche le ressenti, l'expression et les manifestations du masculin sacré et du féminin sacré sur tous les plans soit éliminé d'une manière fractale, multidimensionnelle et quantique, avec traces, mémoire, empreintes, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation 1, 2, 3. Oui. Que les polarités soient rééquilibrées pour les mettre au point zéro. Oui. Voilà. Et pendant que son élémental continue le travail, nous allons prendre sa liste. Mais auparavant, on va faire le tour de tous les systèmes, d'abord globalement et ensuite individuellement. Et après, nous abordons ces questions. Donc, en regardant tous les systèmes globalement, que vois-tu à éliminer? Il y a des programmes traumatiques, j'ai envie de dire, des mémoires traumatiques avec écho et résonance. Des programmes d'habitude de fonctionnement, de compensation de l'élémental et d'autres qui sont créés artificiellement. Bien. Alors, on élimine tout ça sur tous les plans, comme précité. 1, 2, 3. Oui. Voilà, tu en vois d'autres en arrière-plan? Non. Alors, je ne te le demanderai plus. Que chacun des systèmes et l'ensemble soient reconnectés et réinformés. Oui. Un apport d'énergie et de vitalité. Oui. Équilibré et synchronisé. Oui. Réaligné et retisser tes de l'être. Oui. On harmonise, stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. Système endocrinien, immunitaire, hormonal et glandulaire. Que vois-tu à éliminer pour chacun? Des empreintes traumatiques et des programmes d'habitude de fonctionnement. Alors, on élimine tout ça sur tous les plans. Comme précité, 1, 2, 3. Oui. Voilà. Que chacune des parties, chacun des systèmes et l'ensemble soient reconnectés et réinformés. Oui. Apport d'énergie et vitalité. Oui. Équilibré et synchronisé. Oui. Réaligné et retisser ce qui doit l'être. Oui. On harmonise, stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. Maintenant, on va regarder sa glande pinéale
avec donc sa production de valentonine, cette hormone qui régit tous les cycles biologiques, y compris veille-sommeil et les systèmes d'auto-guérison. J'aimerais que tu me dises ici et maintenant à quel pourcentage vois-tu qu'elle est produite. 48%. Elle était à combien avant la séance? 35. Bien, maintenant tu la programmes pour être à 100% tout en tenant compte des variations nécessaires à la biologie. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. Système neuronal, nerveux central, ORL, visuel et respiratoire. Que vois-tu à éliminer pour tout ça? Alors, il y a des mémoires traumatiques avec écho et résonance, des programmes de fonctionnement, de compensation de l'élémental et des programmes qui sont créés artificiellement. Alors, on élimine tout ça sur les plans comme précité. 1, 2, 3. Oui. Que chacune des parties, chacun des systèmes et l'ensemble soient reconnectés et réinformés. Oui. Apport d'énergie et de vitalité. Oui. Équilibré et synchronisé. Oui. Réaligné et retissé tout ce qui doit l'être. Oui. Maintenant, tu regardes l'équilibre du cerveau droit-gauche. Il faut rééquilibrer. Alors, allons-y. C'est bon. Vois-tu des reconnexions à faire? Oui. Alors, on va toutes les faire en une seule fois, en cascade, jusqu'à la dernière. 1, 2, 3. Oui. Voilà. En vois-tu l'autre en arrière-plan? Non. Alors, toujours le système neuronal. Regarde s'il y a des reconnexions à faire. Oui. Idem. 1, 2, 3. Oui. Toujours le système neuronal, mais plus spécifiquement les parties qui concernent la mémoire, les systèmes cognitifs, les systèmes perceptifs et ceux de la communication. Vois-tu pour chacun des reconnexions à faire? Oui. Idem. 1, 2, 3. Oui. Système nerveux central, en vois-tu également? Oui. 1, 2, 3. Oui. ORL visuel et respiratoire? Oui, il y en a. Idem. 1, 2, 3. Oui. Voilà. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise tout ça. Oui. Maintenant, les systèmes circulatoires, sanguins, lymphatiques et énergétiques. Que vois-tu à éliminer pour chacun? Il y a des mémoires traumatiques avec écho et résonance, programmation d'habitude de fonctionnement, des programmes de compensation de l'élémental. Et il y en a qui sont aussi créés artificiellement. Alors, on élimine tout ça sur tous les plans comme précité. 1, 2, 3. Oui. Que chacun des programmes et l'ensemble soient reconnectés et réinformés. Oui. Apport d'énergie et vitalité. Oui. Équilibré et synchronisé. Oui. Réaligner et retisser ce qui doit l'être. Oui. On harmonise, stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. Voilà, système digestif, métabolique et tous les systèmes d'élimination. Que vois-tu à éliminer pour chacun? Il y a des mémoires traumatiques, des programmes de compensation de l'élémentaire et des habitudes de fonctionnement. Alors, on élimine tout ça sur tous les plans comme précité. 1, 2, 3. Oui. Que chacune des parties, chacun des systèmes et l'ensemble soient reconnectés et réinformés. Oui. Apport d'énergie et de vitalité. Oui. Équilibré et synchronisé. Oui. Réaligné et retissé tout ce qui doit l'être. Oui. On harmonise, stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. Voilà. Donc maintenant, nous allons pouvoir aborder les points. Le premier qu'il a évoqué, ce sont cette substance blanche qui sort de ses yeux. Regarde de quoi il s'agit. Il y a une forte pression énergétique et électrique à l'intérieur de son crâne. C'est ce qui génère cette substance à l'intérieur des yeux. D'accord. Donc pour les infections dans les oreilles, c'est la même chose ou pas? C'est la même cause? Oui, c'est la même cause, oui. Comme la concentration. Ok. Donc, en fait, on va travailler toutes les parties qui ont été impactées par cela. On va toutes les faire en même temps. C'est ok pour toi? Oui. Bien. Donc, pour toutes ces parties, qu'est-ce que tu vois qu'il y a à éliminer ici et maintenant?
J'ai des mémoires traumatiques avec écho et résonance, des programmations de compensation de l'élémental, des programmes créés et générés artificiellement pour la compensation, justement. C'est pour ça que je me suis emmêlé les pinceaux. Et des habitudes de fonctionnement aussi. Bien, je suppose que l'élémental a remarqué que la situation a changé. Oui, ça y est. Alors, on élimine tout ça sur tous les plans comme précité. 1, 2, 3. Oui. Que chacune des parties concernées soit reconnectée et réinformée. Apport d'énergie et de vitalité. Oui. Équilibré, synchronisé. Oui. Réaligné et retissé ce qui doit l'être. Oui. Maintenant, regarde son système, donc ses yeux. Comment tu les vois? C'est comme si ça se rétractait, donc c'était cette substance-là, et donc elle ne produit plus, on va dire, cette protection-là, cette substance pour se protéger. Il n'y a plus de production. D'accord. En ce qui concerne les oreilles, les infections? C'est pareil. Ça s'est restabilisé au niveau de l'oreille aussi, on appelle ça aussi, du tympan. Ouais. Ok. Voilà, c'est fluide. Bien. Alors, stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Voilà, et puis il y a quelque chose aussi avec les canaux de perception, qu'ils soient sensoriels ou extrasensoriels aussi. C'est en train de se reformer parce que c'était déformé. D'accord. Ok. Ouais. C'est bon pour toi? Oui. Bien. Alors, qu'est-ce qui fait qu'il est sujet aux hémorroïdes? D'ailleurs, il a même eu une opération qui n'a pas réussi, hein, qui n'a pas été réussie. Regarde pourquoi il est sujet aux hémorroïdes. Qu'est-ce qui se passe? Alors, à la fois, il y a le rejet. C'est-à-dire, j'ai eu le terme en avoir plein les fesses. En fait, vraiment, c'est comme si à l'intérieur de lui-même, c'était plus possible cette situation-là énergétique dans laquelle il se trouvait. Donc, c'est un trop-plein, en fait, aussi de l'élémental et de cette charge d'énergie de l'entité, de cette possession-là, en fait. Il y a un trop-plein, il y a une compensation donc au niveau de l'élémental, c'est un rejet, en fait, de l'élémental. Et j'ai envie de dire, oui, si ça n'a pas réussi l'opération, c'est parce que le rejet, il est toujours là, en fait. Ouais, il était toujours là, avant la séance. Bien. Alors, justement, qu'est-ce que tu vois qui reste ici et maintenant, sur cette mouline de temps? Qu'est-ce qu'il y a à éliminer? Mémoire avec résonance. J'ai pas compris, il y a une coupure. Des mémoires traumatiques avec écho et résonance, des programmations de compensation de l'élémental, des programmes de rejet et des programmes qui sont créés aussi artificiellement, voilà, pour le fonctionnement. Ok, alors on élimine tout ça sur tous les plans comme précité. 1, 2, 3. Oui. Que chacune des parties concernées soit reconnectée et réinformée. Oui. Apport d'énergie et vitalité. Oui. Donc, équilibré et synchronisé. Oui. Réaligné et retisser tout ce qui doit l'être. Oui. Voilà, regarde son système veineux maintenant et circulatoire. Comment tu le vois? C'est fluide et je sens aussi au niveau énergétique une expansion au niveau de son sacré, de son chakra sacré, donc pour que tout se fluidifie et refonctionne. Normalement, on va dire. Ok. Tu vois autre chose à faire? On a mis l'énergie spécifique, plus spécifique, autour de l'anus, enfin là où étaient les hémorroïdes assez raides, c'est dur. Vas-y. Ouais. C'est bon. Autre chose à faire? Là, c'est bon, c'est correct. On peut faire mettre un baume apaisant pour toutes les parties douloureuses. Et enflammé dans sa physicalité. Oui. Voilà. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. Donc, suite à l'opération, maintenant, il a une incontinence. Regarde, qu'est-ce qu'on peut éliminer et qu'est-ce qu'on peut y faire pour résorber ça? C'est le fonctionnement des nerfs, je ne sais pas, au niveau des sphincters. Il y a quelque chose qui ne fonctionne plus, qui est mou.
fait, je le vois comme ça. Donc, ce qu'il faudrait éliminer, bah, ce sont les causes traumatiques et des programmes de fonctionnement, de compensation aussi, du coup, de l'élémental qui compense mal. Dans un premier temps, on va faire ça. Ok, alors on élimine tout ça sous les plans. Comme précédé, 1, 2, 3. Oui. Voilà, maintenant on va regarder le système de sphincter avec les nerfs et tout ce qui est tenant et afférent. Qu'est-ce que tu vois qu'il y a à faire pour maintenant renforcer tout ça? Donc il y a l'énergie spécifique pour relancer la machine. C'est comme une décharge de vitalité. Tu sais. Allons-y. Voilà. Tu vois autre chose à faire? C'est bon, les systèmes se refluidifient, la machine est en route, on va dire ça comme ça. C'est correct. Ok, on met de la force de vie pour renforcer tout ça. Oui. Allons-y. C'est bon. Autre chose à faire? Non, c'est bon. C'est correct. Alors, stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. Voilà, il a des champignons entre les orteils, regarde d'où ça vient. Le désancrage, déjà, parce que je vois ses jambes toujours en mode chewing-gum. Donc le désancrage, et, c'est comme si la physicalité rejetait la 3D en fait. Comme il y a un désancrage. Donc ça pousse. Voilà, ça pousse la peau. Alors, que vas-tu éliminer maintenant? C'est des traces traumatiques et des habitudes de fonctionnement. Alors, on élimine sur tous les plans comme précédé. 1, 2, 3. Oui. Voilà, on reconnaît que tu es réinforme aussi de l'être. Oui. Apport d'énergie et vitalité. Oui. Équilibré et synchronisé. Oui. Réaligné et retissé. Oui. Vérifie son ancrage maintenant. Oui, c'est en train de se renforcer, on va dire, de se faire. À tous les niveaux, je sens, c'est comme s'il y avait des synapses sous les pieds, sous la plante des pieds, et que je ressentais chaque parcelle, en fait, de cet ancrage. Très bien. Et on va inviter à son élémental à faire ce qu'il faut pour éliminer ses champignons. Peut-être avec, je sais pas, un rayon ou autre chose, tu vois, ou une substance particulière. Oui, ça peut les... Comment on appelle ça? Les résorber, voilà, je cherchais le nom. Ouais. C'est plus donc, quelque chose qui va se résorber et qui ne va plus apparaître. D'accord. Il fait ce qu'il faut, hein. C'est lui qui sait. Oui. Tu vois autre chose à faire? Non, c'est bon. Là, c'est correct. Alors, stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. Voilà, donc au niveau de son rein à gauche... Avec ses tentatives de suicide donc, et tous les médicaments qu'il a pris, le rein apparemment a morflé. Donc, comment tu vois ces reins là maintenant, notamment celui à gauche? Je sens une pointe de douleur. Il y a des douleurs, effectivement. Des douleurs ressenties, un petit peu comme des aiguilles, je dirais même dans le dos, un petit peu comme ça. C'est-à-dire qu'il est, je dirais, mal en point, oui. Après, je ne sais pas à quel stade. Il fonctionne mal. Bien, qu'est-ce que tu vois qu'il y a éliminé là? C'est des mémoires traumatiques avec écho et résonance, des programmes de compensation de l'élémental et des programmes d'habitude de fonctionnement aussi. Alors, on élimine tout ça sur tous les plans comme précité. 1, 2, 3. Oui. On va reconnecter et réinformer tout ce qui doit l'être. Oui. Un apport d'énergie et de vitalité. Oui. Équilibré, synchronisé. Oui. Réaligné et retissé. Oui. Voilà. Qu'est-ce que tu vois qu'on pourrait faire d'autre? L'énergie spécifique et le baume apaisant pour les douleurs aussi. Alors, allons-y pour l'énergie spécifique. Voilà, ça va reconnecter. En fait, c'est plus de la reconnexion de l'organe. Ouais. Voilà. Le baume apaisant. Oui, c'est pour la surface, ça. C'est bon. Bien. Alors, stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui.
Voilà, donc par rapport à toutes ces tentatives de suicide, hein, qu'est-ce que tu peux dire par rapport à tout ça, même si on en a parlé tout à l'heure? Alors, ce que je peux dire, c'est qu'il y a un ras-le-bol, en fait, général. Et que son âme n'arrivait pas à sortir la tête de l'eau, de se sortir de cette entité-là. Et c'est l'entité qui le retenait à chaque fois pour pouvoir énergétiquement s'en nourrir. Donc, les tentatives, c'est effectivement des tentatives, voilà. D'accord, ok. Cette situation-là. Bon, de tout ça, tu vois des choses à éliminer? Oui, il y a des grosses mémoires traumatiques avec écho et résonance. Et je dirais même par rapport aussi à sa maladie diagnostiquée. En fait, c'est lié, du coup, ce qui a créé aussi cette maladie-là, en vrai. Et des programmes de compensation, d'autres qui sont générés artificiellement. Des programmes d'habitude de fonctionnement. Donc là, j'ai un peu beaucoup de programmes limitants, des choses comme ça D'accord. autour de ça. Alors, on élimine tout ça sur tous les plans, comme précité. 1, 2, 3. Oui. Voilà. Par rapport à cette maladie et tout ce qui a été dit, là, est-ce que tu vois qu'il y a aussi des liens toxiques à couper avec des vies antérieures ou autres? Oui, parce qu'il y en a eu, oui, tout à fait. Voilà. Donc, il va tous les couper sur tous les plans. 1, 2, 3. Oui. Voilà. Donc là, il va prendre conscience de sa connexion avec la source par son intention et l'attention qu'il porte sur son chakra cardiaque. Activant tous les ressentis, sentiments, sensations, émotions, perceptions, etc. Oui. Et il se ressent dans sa véritable nature, dans cet amour qu'il est, dans sa complétude, son infinitude, son éternitude, sa sécurité intérieure et une paix profonde. Oui. Comment vois-tu Nicolas à présent? Calme. Il y a un calme intérieur qui s'installe, même dans mon plexus. C'est serein, c'est calme, c'est en paix. Un peu comme les objectifs du soi supérieur, de ce qu'il doit vivre dans cette physicalité, c'est cette sérénité-là. Bien. Alors, qu'est-ce que vous allez faire ressentir ce nouvel état? Il y a une joie intérieure, la joie du petit lutin là que je retrouve, les origines. Avec ce calme toujours et cette sérénité, ce bien-être de se sentir calme. Voilà. Tout est autour du calme, en tout cas. Très bien. Alors, qui permet de le ressentir, l'apprécier, de le savourer Oui. et le ramener, c'est maintenant comme un téléchargement dans toutes ses parties, son mental égo, son élémental, sa conscience cellulaire, tous ses corps, son ADN, sa partie subliminale et toutes ses autres parties, son âme jusqu'au soi supérieur. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il a vu quand il dit qu'il a vu un chaman sur un magazine qui s'étranglait pour chasser un esprit démoniaque et qu'il a voulu l'imiter lui-même? Qu'est-ce qui s'est passé là? Alors, il y a une sorte d'illusion Ouais. Comment dire, c'est-à-dire que l'entité l'a poussé à essayer pour pouvoir retirer de l'énergie pendant les étranglements. Enfin, je ne sais pas si c'est de ça qu'on parle, mais Oui, c'est ça. bien sûr, Ah oui, oui. donc pendant les actes d'étranglement, il y a l'énergie que l'entité soutirait. D'accord. OK. D'aller jusqu'au bout. Donc c'était cette entité qui lui a donné cette illusion du chaman, là, du magazine, tout ça, et qui l'a Exactement. inspiré à le faire lui-même. Que c'est resté après dans ce monde. D'accord, bon. Alors, est-ce que tu vois qu'il reste quelque chose à éliminer là, tout ça? Puisque du coup, ça devenait obsessionnel pour lui. Oui, c'est des traces traumatiques avec écho et résonance et des programmes de compensation et d'habitude de fonctionnement avec des croyances bien ancrées, d'illusions. Ok, allez, on élimine tout ça sur tous les plans comme précité. 1, 2, 3. Oui.
Voilà. Et donc là, alors ce qu'on va faire, c'est que on va aller voir au moment où il était ce petit lutin-là. Oui. Le petit lutin joyeux. Hein? Alors tu vas au moment, pas au moment de la matrice, bien sûr, hein, au moment où il est parfaitement libre et parfaitement bien. Oui. Voilà. Comment tu le vois là? Heureux, calme, en joie, en paix, des énergies équilibrantes. Très bien. Donc là, tu vas lui donner l'information de ce qui va survenir dans son futur, hein, pour qu'il puisse s'y préparer. Puisqu'on a bien compris que tous ces traumatismes découlent de ce qui en a suivi et de tous les dysfonctionnements, donc, et toutes les failles qui se sont créées jusqu'à ici et maintenant. On est d'accord? Voilà. Donc là, tu lui montres ce qui va se produire. On ne va pas changer les événements puisqu'ils ont eu lieu. Mais on va en changer ses perceptions, son énergie et sa manière d'être. OK? Donc, il prend la formation, il s'y prépare et pour l'aider, on va le connecter directement à la source pour faire descendre information originelle, énergie, conscience, puissance créatrice et amour. Toucher en plein cœur et dans sa conscience, que se passe-t-il pour lui à présent? Il garde en mémoire son origine, qui il est, cette sérénité et cette joie intérieure, donc Bien. quelles que soient les circonstances qui vont arriver. Très bien. Donc, ça lui fait ressentir quoi alors? De la puissance intérieure, de la force intérieure aussi. Même ça, de la confiance en soi, je dirais, ça renforce. Maintenant, il va rester en présence avec tout cela. Il va le garder précieusement. Et il va traverser les événements de cette matrice qui s'installe progressivement, enfin tout ce qui en est suivi, après ces différentes manifestations d'incarnation animale, etc., Oui. jusqu'à la première vie humaine. Oui. Voilà. Donc il est dans cette première vie humaine. Oui. Comment tu le vois maintenant? Je dirais équilibré, c'est-à-dire stable. Voilà, il y a une stabilité, un alignement avec toutes ces parties. Très bien. Alors tout en restant toujours en contact avec ça, il va traverser chacune des vies vécues et intervient jusqu'à ici et maintenant. Il remonte toute chacune de ces vues et chacune d'elles va se réinformer et se reprogrammer. Chacune des vies est intervient. Oui. Ici et maintenant, comment le vois-tu? Il n'a pas perdu, je ne sais pas pourquoi je te dis ça, il n'a pas perdu de son essence. Donc il a gardé son origine en lui. Il se sent. C'est comme s'il y avait une réinformation là, qui se faisait dans l'instantané en fait. Ben oui, c'est le but. Ça, en fait, ce décalage et cette réinformation qui est en train de se faire, où il se sent voilà, équilibré, là, parce que je ressens des énergies au niveau des genoux, de la stabilité, de l'équilibre, un bien-être, et c'est comme s'il devenait une personne nouvelle, quelqu'un qui n'a jamais connu, en fait, ou qui n'a jamais vu. Il y a une transformation intérieure, en fait, qui se. Il est toujours en contact avec l'énergie du petit lutin. Ouais, avec sa source, oui, et en passant par l'énergie des lutins, oui. Que c'est Complètement. important, le côté humour, tu vois. Oui, tout à fait, mais il est là. Bien. Alors, il prend le temps de ressentir tout ça, de l'apprécier, de le savourer. Oui. Et il le télécharge dans toutes ses parties. Donc, son mental ego, son élémental, sa conscience cellulaire, tous ses corps, son ADN, sa partie subliminale et toutes les autres parties, son âme jusqu'au soi supérieur. Oui. Et bien sûr, maintenant stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Voilà. Donc, perte de souplesse aux chevilles, aux orteils, surtout à droite. Voilà. Comment tu le vois maintenant avec tout ce qui a été fait? On ne va pas s'attarder sur ce qui a été, hein, mais sur ce qui est maintenant. D'accord?
Alors, l'ancrage est stabilisé, donc ses jambes sont redevenues stables et droites comme il faudrait, et alignées en fait avec le reste de son corps. Donc, au niveau de la souplesse, c'est bon, c'est rétabli. Très bien. Donc, avec l'opération qu'il a subie aux jambes par rapport le sang qui a été retiré, le sang caillé, tout ça, est-ce que tu vois que tout a été régularisé? Tu vois des choses à retirer ou pas, à éliminer? Oui, on va éliminer des traces traumatiques par rapport à cette opération-là, quand tu as parlé de sang caillé. Il y a des traces traumatiques, des programmes de compensation, des programmes qui ont été créés artificiellement par l'élémental et des habitudes de fonctionnement par la suite, oui. Alors, on élimine tout ça sur tous les temps, comme précité. 1, 2, 3. Oui. Voilà. Bien. Il y a besoin de reconnecter les choses ou tout est en ordre Non, là, c'est bon, c'est en là. En ordre. ordre. Hein. Voilà, c'était juste un détail pour terminer. Au niveau de sa mémoire et de la concentration, donc maintenant, avec ce qui a été fait, est-ce que tu vois des choses à éliminer ou pas pour améliorer ça? Alors des résidus, mais vraiment très minimes, qui sont là, disons, des traces énergétiques en résidus. Alors, on les élimine. Allez, comme précité. 1, 2, 3. Voilà. Tu vois qu'il y a besoin de faire des reconnexions? Non, c'est déjà fait, tout est Voilà. correct à ce niveau-là. Okay. Alors, pour sa main droite avec sa perte de mobilité, donc comment tu la vois maintenant? Est-ce que tu vois des choses à éliminer ou pas? Non, c'était des conséquences, donc c'est rééquilibré. C'était que des conséquences. Ok. Au niveau de sa tension. Alors là, c'est fluide par rapport au cardiaque. Donc la circulation est fluide, donc c'est bon pour la tension. Ça se rééquilibre. Voilà. Parfait. Ok, maintenant pour les verrues, partout où il les a nommées, les pouces, les orteils, enfin partout où il y a des verrues. Regarde pourquoi il y a autant de verrues. Un rejet de l'élémental encore, j'ai une sorte de D'accord. protection de l'élémental toujours par rapport à son ancienne situation. Ok, bon, tu vois les choses à éliminer ou par là? Oui, des traces traumatiques et des programmes de fonctionnement, voilà. Alors, on élimine tout ça sur tous les plans comme précédé. 1, 2, 3. Oui. Et on invite son élémentaire à faire ce qu'il faut pour faire disparaître toutes ces verrues partout où il y en a. Il n'en a plus besoin. Tu vois autre chose à faire? Ouais, c'est bon. Alors, stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. Voilà, qu'est-ce qui s'est passé lorsqu'il était petit, qu'il avait des terreurs nocturnes? Y a des entités démoniaques qui sont entrées dans ses failles psychiques et qui terrorisaient au niveau D'accord. mental, en tout cas. Bon, il reste des choses à éliminer de tout ça. Oui, il y a des traces traumatiques et des programmes de fonctionnement liés au sommeil. Allez, on élimine tout ça sur les plans de complicité. 1, 2, 3. Oui. Voilà. Alors, lorsqu'il dit que quelqu'un veut le brûler, il veut l'entrer en combustion spontanée, il en a même eu des pieds brûlés. Voilà, il dit à travers une personne dont il a vu un démon à l'intérieur. Qu'est-ce que tu vois, toi? Quelle information tu as? Tout de suite, c'est les mains de son entité là qui le maintenait. C'est Ah. lui qui provoquait ça. Et D'accord. après, les images peut-être que lui voyait par rapport à telle ou telle personne, c'était induit par des entités démoniaques. Entre Toujours ces illusions pour. Et c'est surtout par rapport aux mains, la sensation de brûlure qu'il avait Ok. au bout du monstre. Bon, tu vois qu'il reste quelque chose à éliminer là? Oui, des mémoires traumatiques, des programmes d'habitude de fonctionnement et des programmes de compensation aussi de l'élémental. Des programmes de compréhension aussi, parce que c'était incompréhensible. Allez, on élimine tout ça sur tous les plans comme précité. 1, 2, 3. Oui. Voilà. Tu vois des reconnexions à faire? Non, c'est bon. Non, tout est bon? Bien. Alors, qu'est-ce qui s'est passé quand il dit que vers l'âge de 6 ans, il y a un gars qui lui a mis un truc dans la nuque? C'est par rapport à ce que. Alors, je ne sais pas si c'est l'âge de 6 ans. En tout cas, la perception, toujours comment ça s'appelle, le système nerveux, par là où l'entité entrait en fait en contact avec son énergie, par le système nerveux. Et en fait,
C'est par la nuque que je ressentais, moi, là. Oui, c'est ça. Ouais. Bon, là, ici, maintenant, il reste quelque chose ou pas? Oui, des mémoires traumatiques autour de ça, avec écho et résonance, et il y a des programmes de fonctionnement de l'élémental. Ok, donc là, on va faire sur toutes les parties qui ont été impactées par ça, puisque là, c'est une zone d'entrée. Toutes les parties qui ont été impactées, on va toutes les faire en même temps, d'accord? Oui. Donc là, en considérant toutes les parties, tu vois qu'il y a quoi à éliminer? Des mémoires traumatiques avec écho et résonance, des programmes de fonctionnement. De fonctionnement des mentales. Ok, alors on élimine tout ça sur tous les plans de complicité. 1, 2, 3. Oui, c'est bon. Tu vois des reconnexions et des réinformations à faire? Oui. Alors allons-y. C'est bon. Apport d'énergie et vitalité? Oui. Équilibré, synchronisé? Oui. Réaligné et retissé ce qui doit l'être? Oui. On harmonise, stabilise, sécurise, pérennise et concrétise? Oui. Voilà, autre point, donc... Quand il dit qu'il il voit un homo à la télé, qu'il s'intéresse à lui, etc., ou il se sent lui-même menacé par cet homo, qu'est-ce qui se passe en fait? Dans le subtil, au niveau. Alors, il y a les failles des entités démoniaques qui appuient sur les failles de. L'extérieur, c'est danger, quelque chose comme ça. Et ouais. C'est comme du rejet en fait. Sentir menacé, etc. Voilà, exactement. Insécurité. Oui. Donc c'est eux qui créent cette illusion? Oui. D'accord, pour accentuer donc ces dysfonctionnements. Oui. Tu vois des choses à éliminer là? Des traces traumatiques, oui. Et des habitudes de fonctionnement. Ok, alors on élimine tout ça sur tous les plans. 1, 2, 3, complicité. Oui. Voilà. Donc il pose la question, pourquoi est-ce qu'il se sent, il est obligé de rester avec sa mère? Voilà. Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier avec sa mère, du fait qu'il soit obligé de rester avec elle? Et bon, il y a sa condition de sa maladie, donc déjà ça. Par on... ça, j'allais dire, parce que je vois pas. Il n'y a pas d'autre explication. Il n'y a pas d'autre explication au niveau subtil. D'accord. Il vaut mieux qu'il soit chez sa mère qu'en hôpital psychiatrique. C'est plutôt oui. Ça. Oui, hein? C'est dans ce sens-là, oui. Exactement. Voilà. Donc, il n'y a pas de lien particulier avec sa mère, il y a pas, il y a des liens toxiques à couper éventuellement? Oui, par rapport à la lignée aussi, enfin l'arbre généalogique. Voilà. Donc, il va couper avec la lignée, bien sûr, tout ce qui est toxique. Allez, sur tous les plans. 1, 2, 3. C'est plutôt là qu'il faut voir les choses. Tu vois autre chose à faire? Bah, alors, il y a la lignée et peut-être qu'il y a des choses karmiques également. Si lui vit cette situation, c'est peut-être répétitif également. Oui, ce qui me fait penser, parce qu'il disait que sa nièce c'était pareil, il y avait aussi un suicide, enfin il y avait un schéma répétitif ouais. Dans la famille, mais c'était lié aussi à la cette fuite d'énergie qu'il y avait à l'arbre en fait. D'accord. C'était plus par rapport à ça, et au niveau karmique, ben, on a fait les mémoires antérieures tout à l'heure. Enfin, ouais. Bon, je vois okay. Pas, ça s'active pas. D'accord, ok. Normalement, c'est réglé. Ok. Donc, dans la relation avec la mère de son fils, qui est conflictuelle, voilà, et même son fils serait très maltraité par elle, du fait qu'il soit son fils. Bon, toi, de ton côté, qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu as comme information dans son comportement, de ce que lui ressent vis-à-vis d'elle, et dans ce qui se passe réellement, de pourquoi elle se comporte ainsi? Qu'est-ce qui se passe dans tout ça? Il y a un décalage de réalité déjà pour lui à ce niveau-là. Et elle est en mode comment on appelle ça, protection, sécurisation. D'accord. Mais est-ce que tu vois, toi, qu'elle maltraite son fils? Alors, le maltraiter, non, pas spécifiquement. Non, il n'y a pas forcément de maltraitance. Non, je ne pensais pas à ça. Je pensais juste qu'elle se protégeait. Et qu'elle peut-être portait conseil, c'est peut-être dans ce sens-là. Il y a une forme de protection, en fait. Ah, contre son père, tu veux dire? Voilà, exactement. Et peut-être du fait de sa maladie, ou la peur peut-être pour son fils? Exactement.
D'accord. Donc, on va faire venir donc son ex-femme et son fils devant lui. Oui. Voilà. Il va leur montrer le travail qu'il est en train de faire et propose à chacun de prendre conscience et connaissance de leur situation respective sur tous les plans. Oui. Voilà. Est-ce que tu vois sa mère, enfin, sa ex-femme et son fils, est-ce que tu vois des entités sur eux? Oui. Ouais. Quel type pour elle? Alors, il y a démoniaque et reptiloïde en arrière-plan. Et pour son fils? Son fils, c'est reptilien aussi. C'est pas les mêmes? Non. D'accord. Donc, ils prennent conscience de ça, tous les deux? Oui. Comment réagissent-ils? Il y a plus une réaction forte de la part de la compagne, enfin de l'ex-compagne. C'est-à-dire qu'elle elle souhaite vite s'en dégager. Que son fils, il se pose des questions. Il ne sait pas comment faire. Ok. Bon, demande-leur s'ils veulent qu'on leur donne un coup de pouce. Oui. Bien. Donc, on va connecter tous les deux donc avec la source pour faire descendre information originelle, énergie, conscience, puissance créatrice et amour. Toucher dans leur cœur et leur conscience, que se passe-t-il pour eux à présent? Ils ont augmenté leur fréquence. Ils sont sortis du plan, de ce plan-là. Il y a encore des entités en arrière-plan. Voilà. Donc, pour tous les deux, on ouvre un portail et on vire tout le monde. 1, 2, 3. Un portail respectif, évidemment. 1, 2, 3. Oui. Tu les refermes et tu les effaces. Oui, c'est bon. Bien, maintenant, ils ont toutes les informations, ils ont les moyens nécessaires et tout ce qu'il faut pour continuer le travail. Hein. Ils peuvent lire donc les informations et faire la même chose, à commencer maintenant, même s'ils seront invités tout à l'heure. Oui. Ils sont OK tous les deux? Oui. Quel regard elle porte maintenant sur Nicolas? La compassion, je dirais, en premier lieu. Voilà, le regard okay. De compassion, c'est-à-dire qu'elle comprend ces systèmes de prédation dans lesquels il était. Il se trouve. Bon. Très bien. Donc, tu vois des liens toxiques mutuels à couper. Hein, ils vont tous couper, que ce soit son fils, son ex-femme et lui-même. Hein, tous les liens toxiques, il les relie. 1, 2, 3, sur tous les plans. Oui. Voilà. Et maintenant, il continue de travailler. C'est bon? Oui. Bien. Eh bien, écoute, quand tu parles de soleil qui vient, qu'il a vu, là, qui revient, qui repart, de quoi s'agit-il? C'est encore ces entités qui jouent avec lui? Oui, je vais dire, c'est sa vue. C'est plus au niveau de sa vue, en fait. Ouais. Mais tu veux dire que c'est des illusions qui sont provoquées ou tu vois autre chose? Oui, tout à fait. Oui, c'est ça. Ok. Très bien. Bon, ben voilà. Maintenant, c'est clair pour lui. Bien, je vais arrêter. Maintenant, on va regarder son corps mental avec toutes les programmations limitantes qui étaient là et les croyances qui en découlaient, limitantes évidemment. Alors, il y a des programmations qui sont empilées les unes sur les autres, avec des fils barbelés, c'est compact, c'est saillant, piquant et très limitant. Avec la croyance qu'il n'a ni la connaissance et surtout ni la puissance nécessaire pour pouvoir les dégager de sa réalité. Bien. Alors, donc, sur cette nouvelle ligne de temps, avec tout ce qu'elles ont vu, entendu, compris et intégré, qu'en pense à présent toutes ces parties? Qu'il peut les dégager facilement des fréquences de là où ils se trouvent maintenant. Bien. Alors, c'est ce qu'il va faire maintenant. Qu'est-ce qui reste à éliminer? Il y a des mémoires traumatiques et des programmes de fonctionnement. Allez, on élimine tout ça sur tous les plans de complicité. 1, 2, 3. Oui. Voilà, maintenant, toujours selon cette ligne de temps, tu vas regarder son corps émotionnel avec toutes les émotions et les sentiments qui étaient en lien avec l'ancienne situation. Il y a une forme de peur intérieure. Il est apeuré, avec beaucoup d'anxiété, d'angoisse intérieure sous-jacente. Il y a beaucoup de nostalgie, de tristesse et de dépression, de ne pas arriver à dépasser ces états-là. Je dirais même qu'il essaye d'être en colère, mais il n'y arrive pas. Il est comme si on mettait la main sur sa bouche pour l'empêcher de crier. Donc, c'est vraiment une image.
qui est bloquante. Il y a beaucoup de fuites d'énergie et une fausse et une illusion, une image de lui-même qui est complètement fausse. Ouais. Si je peux me permettre, il y a un sentiment d'impuissance. Ah oui, il y a l'impuissance, bien sûr. Voilà. Bien. Maintenant, on va regarder du côté des cinq blessures principales qui sont, je le rappelle, le rejet, l'abandon, l'humiliation, trahison et injustice. Lesquelles étaient prédominantes chez elle, chez lui, pardon, et comment s'exprimait-elle ? Alors, la partie physique, elle se sent trahie par la partie supérieure de l'avoir laissée, abandonnée et rejetée là, dans l'incarnation, dans ces conditions-là, avec un sentiment d'injustice, de devoir vivre dans ces conditions-là d'incarnation, n'a plus envie d'avoir, et un sentiment accompagné de l'humiliation. Il n'a pas le choix que de vivre dans cet état-là. Et pour pouvoir fonctionner dans l'incarnation, pouvoir en maîtriser les rênes, il s'est enfermé dans une bulle d'autodéfense pour switcher, éviter des pics de souffrance, de grandes souffrances. Mais ça le coupe de toutes ses connexions intérieures. Ça n'évite rien, au contraire, ça le touche, ça lui fait mal. Et ça crée des illusions de lui-même, un sentiment d'impuissance, comme tu disais, et une illusion, une perte d'identité, voilà. Bien, alors je rappelle qu'il s'agit là, bien sûr, de lancer une ligne de temps pour que tu aies des compréhensions de comment tu fonctionnais et de quels étaient les tenants et les aboutissants. Sur cette nouvelle ligne de temps, qu'est-ce que tu vois qu'il reste de tout ça à éliminer ? Des mémoires traumatiques profondes avec des habitudes de fonctionnement. Alors, on élimine tout ça sur tous les plans, comme précité. 1, 2, 3. Oui. Voilà. Et toujours en conscience et connaissance de sa connexion avec la source par son intention et l'attention qu'il porte sur son chakra cardiaque, activant tous les ressentis, sentiments, sensations, émotions, perceptions, etc. Oui. Chacune des cellules de son corps s'éveille, s'enflamme, s'illumine, vibre, rayonne, irradie et pétille. Oui. Chaque particule à l'intérieur, sur et autour de lui également. Oui. Comment vois-tu Nicolas à présent ? Beaucoup plus stable, aligné avec toutes ses parties. Il se redécouvre, il se découvre en même temps. Il y a de la joie intérieure de pouvoir se découvrir. Et du plaisir aussi à vivre dans ce nouvel état d'être. Alors qu'il prend le temps de le ressentir, d'apprécier, de savourer. Oui. Et il installe une programmation sur laquelle, chaque fois qu'il en aura envie ou besoin, il pourra ressentir pleinement cet état, même s'il est installé là dorénavant en permanence. Oui. Il rajoute cette programmation à sa bulle de vie, à sa bulle de création, voilà, qui est tous les secteurs de sa vie, hein, et que chacune d'elles soit donc reprogrammée et réinformée. Oui. Voilà, stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. Maintenant, je veux que nous partions de la source et je veux savoir comment il vit cet événement que nous nommons communément la séparation, qui se vit bien souvent par un traumatisme. Comment ça se passe pour lui avec ses nouvelles compréhensions et dans ses nouvelles conditions ? Il a l'intention ferme et la volonté puissante de garder en mémoire et de ressentir qui il est, de son origine, quelles que soient les incarnations, quelles que soient les circonstances, les manifestations et quel que soit l'espace et le temps. Bien. Et je rajouterai de le ressentir pleinement. Et ça, c'est la clé pour tout le monde. Que ressent-il justement au sortir de la source avec tout ce qui se profile devant lui en termes de possibilités, de potentialités et de cette existence en tant que Nicolas ? Il y a beaucoup de joie de pouvoir maintenant expérimenter le calme intérieur, cette sérénité et cette paix dans cette incarnation-là, de la joie et du plaisir. Alors qu'il prend le temps de le ressentir, d'apprécier, de savourer ? Oui. Il le rajoute à sa programmation ? Oui. Et ramène tout ça ici et maintenant comme un téléchargement dans toutes ses parties, son mental ego, son élémental, sa conscience cellulaire, tous ses corps, son ADN, sa partie subliminale et toutes ses autres parties, son âme jusqu'au soi supérieur. Oui.
et il se ressent pleinement dans sa souveraineté, sa liberté, son autonomie, son unité, sa puissance intérieure, sa créativité illimitée, un équilibre, une harmonie et une santé parfaite, une parfaite sécurité intérieure et l'amour qu'il est. Oui. Il se ressent dans sa dignité et sa légitimité. Oui. Le sentiment d'être à sa juste place, où qu'il soit et quoi qu'il fasse, avec plaisir, joie et amour. Oui. Et le sentiment de sa propre valeur, quelles qu'aient les expériences des passés, présents, futurs, il sait que tout est juste, que tout a une fonction utile et que tout a une valeur d'expérience et d'apprentissage, et même et surtout ce qu'on appelle l'erreur et le négatif. Oui. Il repasse par chacune des vies vécues sur Terre et ailleurs jusqu'à la source, et chacune d'elles se réinforme et se reprogramme. Oui. Revient ici et maintenant, la boucle est bouclée, stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. Comment vois-tu Nicolas à présent ? Parfaitement stable et équilibré. Il se sent, il y a un bien-être, avec beaucoup de joie et de plaisir à vivre dans ce nouvel état d'être. Bien, alors c'est le moment des invitations. Il a nommé son fils avec sa famille, sa mère, donc ses deux frères, les frères et bien sûr, et sa sœur avec leur famille respective, sa mère, la famille en général, les amis proches, on va dire tous ceux à qui il pense, les doshas évidemment, et les animaux de tout le monde qui eux sont invités pour la douche finale. Il montre à tout le monde le travail qu'il est en train de faire et propose à chacun de prendre conscience et connaissance de leur situation respective sur tous les plans et de profiter de cette, on va dire, opportunité qui leur est offerte. Oui. Est-ce que chacun choisit d'en profiter ? Oui. Avant cela, accepte-t-il un petit coup de pouce ? Oui. Alors, puisque nous avons leur permission, en leur nom, nous allons pouvoir éliminer toutes les entités en lien direct et indirect avec chacun d'eux jusqu'au plan archiavélique. Éliminer également tout dispositif, tout ce qui n'appartient pas à leur corps, énergie, conscience et information d'origine, avec trace, mémoire, empreinte, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation sur tous les plans, multidimensionnels, quantiques, fractales et autres inconnus, dans toutes les boucles, toutes les couches et toutes les vies. Oui. Chacun rompt tous les pactes, les contrats, les permissions, les consentements, les accords, etc. sur tous les plans, dans toutes les vies, toutes dimensions, toutes fréquences, tout espace-temps, toute bulle de création, par toutes les portes cachées, tout ce qui est secret, dans tous les plis et replis des espaces-temps, dans tous les différents états de conscience et tout ce qui est connu et inconnu en général. Chacun va également couper, rompre tous les liens toxiques, suivant le terme générique que nous avons établi. 1, 2, 3, sur tous les plans. Oui. Maintenant, tu ouvres un grand portail dimensionnel et tout disparaît pour tout le monde. 1, 2, 3. Oui. Tu le refermes et tu l'effaces. Oui. Chacun se place dans sa bulle christique de protection, se crée des racines jusqu'au cœur de Gaïa, programmé uniquement pour cette existence, se connecte à la source, travaille sur son arbre généalogique et sur son ADN, à l'instar de ce qu'a fait Nicolas pour lui-même, chacun, bien sûr, adapté à sa propre situation. Oui. Et continue jusqu'à la douche finale à laquelle, je le rappelle, tous les animaux sont conviés. Oui. Bien. Alors, est-ce que tout le monde s'est mis à l'œuvre ? Oui. Alors, à présent, ça va être le tour des désincarnés. Il a nommé celui qui a été son père. J'aimerais savoir sur quel plan tu le vois et dans quelle situation. Il est sur le plan astral, dans sa propre réalité, en train de réfléchir. Ah, il réfléchit à quoi ? À l'avenir. À l'avenir. Très bien. Bon, identifie-le, regarde son ADN éthérique, confirme-moi qu'il s'agisse bien de lui. Oui. Bien. Donc, tu t'approches de lui, tu peux communiquer avec lui, je suppose ? Oui, oui. Tu t'approches de lui, tu lui montres qui nous sommes, pourquoi nous sommes là, quelles sont nos fonctions, et surtout, qui nous envoie, et demande-lui s'il veut que nous l'aidions. Oui. Alors nous le connectons directement à la source pour faire descendre information originelle, énergie, conscience, puissance créatrice et amour, touché en plein cœur et dans sa conscience. Que se passe-t-il pour lui à présent ? Il a changé de plan et il a dit trouver la solution en fait. C'était ça. À quoi il réfléchissait, pardon.
Ah, d'accord, ok. Alors, qu'est-ce qu'il choisit de faire maintenant? Veut-il remonter à la source ou continuer son chemin en toute sécurité, souveraineté, liberté et plaisir? Il choisit la source. Alors, dis-lui que pour qu'il puisse en profiter pleinement, il est nécessaire qu'il récupère toutes les énergies qu'il a laissées sur Terre et sur tous les plans, et qu'il coupe avec tout ce qu'il y a à couper. Il se libère totalement et il libère tout et tous. Oui. Avant de remonter, est-ce qu'il veut s'exprimer envers celui qui a été son fils, et même celle qui a été son épouse, et tous ceux qu'il a aimés et côtoyés? Oui, une notion d'être désolé, de ne pas avoir compris ou s'être fait comprendre, quelque chose comme ça, un problème de communication en tout cas, ou de ne pas avoir donné ou pu donner ce qu'il pouvait. Il a fait comme il a pu. Donc là, il envoie des énergies d'amour justement à son épouse, à la maman de Nicolas, des énergies d'amour aussi à Nicolas, ses autres enfants. Voilà, en leur disant de faire mieux que lui, quelque chose comme ça. Bien, qu'est-ce qu'il comprend de ce qu'il a vécu dans dans l'incarnation ? Il comprend qu'il était bien coincé, en fait. Coincé, c'est-à-dire ne pas être libre. Et il comprend ce qu'il a derrière ? Voilà, oui, c'est surtout ça. C'est par rapport à ça, à la prédation. D'accord. Aux enfants et à plein d'autres facteurs en fait qu'on retrouve sur Terre. Il a conscience de tout ça maintenant? Oui. Bien, alors demande-lui avant de remonter s'il veut bien envoyer dans la lignée paternelle et maternelle de Nicolas des énergies et des informations pour que chaque âme désincarnée puisse avoir la même opportunité que lui. Oui. Allons-y. Oui, c'est bon. On va le saluer et le remercier. Oui, c'est bon. Il sort de la matrice? Oui. Bien, alors maintenant, ça va être le tour de la tante maternelle. Regarde sur quel plan tu la vois et dans quelle situation. C'est sur le plan astral, dans des sortes, je dirais qu'elle est instable, des tempêtes énergétiques. C'est un peu, il y a une instabilité en tout cas chez elle. D'accord. Je dirais liée à l'affectif, beaucoup. Je ne sais pas pourquoi je te dis ça. Ah, écoute, tu me dis ce qui te vient et c'est correct. Bien, alors est-ce que tu peux communiquer avec elle? Ah oui. Tu t'approches d'elle, tu lui demandes qui nous sommes, pourquoi nous sommes là, quelles sont nos fonctions et surtout qui nous envoie et demande-lui si elle veut que nous l'aidions. Oui. Alors on la connecte directement à la source pour faire descendre information originelle, énergie, conscience, puissance créatrice et amour, touchée en plein cœur et dans sa conscience, que se passe-t-il pour elle à présent? Elle s'est délestée de tous ses manques. Et de toutes ses peurs, Elle a augmenté ses fréquences. Et là, elle se sent beaucoup mieux. Il y a un bien-être général chez elle. Alors, qu'est-ce qu'elle choisit de faire à présent? Veut-elle remonter à la source ou continuer son chemin en toute sécurité, souveraineté, liberté et plaisir? Alors, elle choisit la source avec plaisir. Voilà ce qu'elle me dit. Bien. Donc, dis-lui que pour qu'elle puisse en profiter pleinement, il est nécessaire qu'elle récupère toutes les énergies qu'elle a laissées sur Terre et sur tous les plans, et qu'elle coupe avec tout ce qu'il y a à couper. Elle se libère totalement et elle libère tous et tout. Oui. Donc, avant de remonter, est-ce qu'elle veut s'exprimer, dire quelque chose à Nicolas et à tous ceux qu'elle a aimés et côtoyés? Il y a des remerciements, des énergies de remerciement et d'amour. Donc de l'avoir aidé, de l'avoir choisi et le remercier aussi sa sœur d'être ce qu'elle est en fait, tout simplement. Très bien. Voilà. Allez, on va la saluer et la remercier. Elle est partie? Alors, on revient à Nicolas. Oui. Regarde s'il y a des liens toxiques à couper. Oui, il en reste. Alors, il les coupe tous sur tous les plans, comme précité. 1, 2, 3. Oui. Regarde si on voit encore en arrière-plan. Non, il n'y en a pas en arrière-plan. Bien. Alors, il coupe tous les liens de ses noms et prénoms avec le système de la fausse matrice. 1, 2, 3. Il ne conserve que ce qui lui est utile. Oui. Couper et désactiver l'équivalent du numéro d'INSEE, puisqu'il n'est pas en France. Partout où il se trouve, avec duplication et copier-coller, il ne conserve que ce qui lui est utile. 1, 2, 3. Oui.
couper et désactiver toutes les parties du corps qui sont à l'extérieur, que ce soit du sang dans le corps d'autres personnes, du sang prélevé, stocké quelque part, des ongles, des cheveux, de l'ADN, des cellules, etc. Sur tous les plans, dans toutes les vies, toutes dimensions, toutes fréquences, tout espace-temps et toute bulle de création. 1, 2, 3. Oui. Couper, désactiver, éliminer tout ce qui est à l'intérieur de tous ces corps, subtils et physiques. Tout ce qui n'appartient pas à ces corps d'origine ou qui n'est pas issu de ses propres intentions ou créations volontaires, délibérées et éclairées. 1, 2, 3. Oui. Couper, désactiver, éliminer toute forme de nanotechnologie à l'intérieur, sur et autour de lui. 1, 2, 3. Oui. Voilà. Donc, avec ce qu'on a fait des codes matriciels, je suppose qu'il n'y a plus rien d'éliminer de quand il est entré dans cette fausse matrice. Non, je ne vois plus rien qui s'active. Voilà. Voilà, donc ça, je supprime du protocole, ce n'est plus la peine. Il récupère toutes ses énergies donc, de son plan morantiel. Oui. Activation du diamant du cœur avec à l'intérieur fleur de vie, crâne de vie et double de miscate activée. Oui. Connexion à la grille cristalline. Oui. Connexion à la grille magnétique originelle. Oui. Connexion à la particule adamantine originelle. Oui. Connexion au soleil central. Oui. Activation de l'implant neutre qui est, je le rappelle, le point zéro qu'il peut activer à tout moment par l'intention. Oui. Et je rappelle qu'il ne s'agit nullement d'un implant, c'est juste une métaphore. Processus de rajeunissement et de régénération. Activation de la particule divine dans son cœur qui déclenche la fontaine de jouvence énergétique qu'il peut ressentir et apprécier dès maintenant et dont tu peux profiter si tu veux. Oui. Activation des fonctions de l'ADN en lien avec la régénération et le rajeunissement. Oui. Programmer et informer la cellule mère de générer des cellules saines, vigoureuses et en pleine puissance et connaissance de leurs missions respectives, en particulier celle du rajeunissement et de la régénération. Oui. Connecter la cellule mère au chakra cardiaque, au cœur de Gaïa et à la source. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. Processus d'auto-guérison. Là, il va y mettre une attention particulière, une énergie particulière. Donc, il place sa conscience dans l'espace morantiel. Oui. Et pour chacune des parties, il fait descendre information originelle, énergie et code. Oui. Il installe l'arbre de création et l'active dans les deux sens. Oui. Installation de fleur de vie, graine de vie et double de muscate activée. Oui. Et à présent, il crée son baume. Son baume régénérant qu'il applique à l'intérieur, sur et autour de lui, partout où c'est nécessaire, y compris sur son corps comme un lifting et pour des parties comme les verrues, etc. Tout ce qu'on a besoin. Oui. Tu le programmes pour être stable, équilibré et pérennisé. Oui. Maintenant, on va revenir sur son ADN. Avec tout ce qui a été fait jusqu'à présent, j'aimerais que tu me dises combien est-ce que tu vois d'hélices, combien sont connectés et combien sont activés. J'en vois 7 et il y en a 6 qui sont activés. Alors, est-ce qu'il peut activer la 7e ? Oui. Allons-y. Oui, c'est bon. Peut-il rajouter de nouveaux programmes ? Oui, des programmes de nouvelles énergies avec une sécurisation. C'est bon. Il enroule son ADN avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire, issus de sa propre source. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. Bien. Peux-tu me dire combien de temps il va falloir pour métaboliser pleinement sa séance ? J'ai 7 à 12 mois. 7 à 12 mois. D'accord. Alors, est-ce que tu vois des effets rapides et lesquels ? Ce calme intérieur qui va s'installer tout doucement, mais sûrement. D'accord. Quand tu dis 7 à 12 mois, c'est court, c'est normal que ce soit aussi court ? Oui. D'accord. Ça, est-ce que c'est en lien avec la déprogrammation des codes matriciels ? Oui, une ouverture, donc une accélération des processus. Ah oui, d'accord, ça explique tout. Très bien. Maintenant, est-ce que tu vois des inconforts dus au processus de métabolisation durant ces 7 à 12 mois, plus ou moins, suivant bien sûr la qualité de ses compréhensions et surtout de ses propres attitudes post-séance ?
Oui, ça sera pas un long fleuve tranquille. Je vois comme des pics comme ça de souffrance ou d'émotionnel. C'est comme un retour en arrière en fait du mental ego, parce que les anciens repères ne sont plus là, les nouveaux sont en train de s'installer et le mental ego, pour se sécuriser, va rechercher ce qu'il connaît dans le passé pour les ramener dans le présent. Bien. Donc ça, c'est pour se sécuriser qu'il fait ça. Oui. D'accord? Alors tu vas regarder ce sentiment d'insécurité, d'où il vient. Oui, je vois des fluctuations d'énergie. Bah, c'est tout ce qui a été créé dans son corps mental et dans son corps émotionnel. Donc là, si ça se sentait d'insécurité, s'il reste, c'est qu'il reste des choses. Bah, ce sont des anciens programmes, en fait. On appelle ça, oui, des résidus qui sont là, mais qui sont plus là, en fait. Ils sont plus là, mais c'est ce qu'il va rechercher dans le passé, en fait. C'est comme ça que je le vois. Parce qu'il D'accord. perd ses repères, en fait, en attendant. Ouais, Parce mais ouais, qu'il le sentiment d'insécurité qu'il ressent dans le moment, et il a ce sentiment d'insécurité, donc ça le ramène à quelque chose qui est déjà existant, qui était existant avant. qui était. Oui. D'accord. Là, ça l'est plus. Est-ce que tu voudrais quelque chose à éliminer justement pour que ce sentiment d'insécurité n'ait pas lieu dans cette phase de métabolisation où les anciens et les nouveaux sont pas? Non, Non? c'est pas éliminer, mais c'est activer la connexion. Je sais pas, activer plus fortement la connexion avec le soi supérieur, parce que j'ai revu cette énergie-là que lui doit activer depuis là où il se trouve pour se Ouais. reconnecter. Donc à chaque fois qu'il va ressentir de l'insécurité, ou ce sera des fluctuations, il faudra qu'il y ait comme une sorte de décharge énergétique, hop, qui le reconnecte à son soi. C'est ça qui me D'accord, parle. par son intention et sa conviction, c'est ça. L'intention et la conviction, mais je pense qu'on peut même installer, c'est ce qui me vient, une sorte de programme aussi qui active. Parce que des Ah, fois, voilà. on est dans notre mental et on n'a pas le réflexe de l'intention, en fait. Donc, OK. c'est si c'était un programme de choc, comme, tu sais, comme un défibrillateur. D'accord. Eh bien, écoute, installe-le. On n'a jamais fait ça. Allez. Ouais, parce que du coup, ça, hop, ça le ramène et ça le réaligne en soi supérieur. D'accord. Donc tu stabilises, sécurises, pérennises et concrétises. Oui, c'est assez bousculant, mais c'est nécessaire. En fait, c'est la phase de métabolisation. Ok. Donc attends, je vais le noter parce qu'on va le rajouter. Donc parler de l'insécurité du mental ego. Donc dans la métabolisation. Donc c'est un programme, tu m'as dit, redis-moi ça. De choc comme un défibrillateur qui va le ramener à Défibrillant, on va dire. D'accord. Défibrillant. voilà. Comme pour le ramener au soi supérieur. C'est comme quelque chose qui te Ah ramène. ouais. C'est un peu comme le choc du cœur quand on le ramène, hein, c'est un peu ça. C'est un choc électrique énergétique. Et j'ai plein de frissons partout à chaque fois. Justement, on va l'installer, ça, on va l'utiliser pour si ça, Attends. voilà, si ça facilite les intégrations, que ce soit plus confortable. Ok, très bien. Un programme de choc défibrillant pour le ramener au soi supérieur, installé dans son chakra cardiaque, c'est ça? Oui, C'est dans le exact. cardiaque, hein? Oui. Ok, donc là il est installé, il doit stabiliser, sécuriser, pérenniser, concrétiser. Oui. Parfait. Alors bien sûr, je recommande quand même dans ces moments, donc dans ces moments où il te semblera que les choses reviennent en arrière, de te rappeler que tout ça, c'est dans tout processus d'auto-guérison, c'est ce qui se passe bien souvent, hein, ça arrive souvent. Donc plus tu resteras confiant et optimiste, et plus tu soutiendras toutes tes parties qui font leur travail, et plus courte pourrait être la métabolisation, et meilleure en qualité et en profondeur. Autrement dit, la balle est dans ton camp. Voilà, et puis on verra ce que ça fait avec ce nouveau programme. Et pour soutenir toutes les parties de Nicolas, on va aller dans le futur, au moment où la séance est pleinement métabolisée, totalement réussie dans sa meilleure version. J'aimerais savoir comment il se sent. Alors je dirais qu'il se sent aligné, serein et calme. Il y a un bien-être général.
Il y a une assise aussi. Il y a une force intérieure. Il y a vraiment une transformation en lui. Et du coup, il y a de la joie et du plaisir à vivre dans ce nouvel état d'être qui en découle. Tu retrouves le petit lutin, là ? Oui. Très bien. Alors, qu'il permet de le ressentir, de l'apprécier, de le savourer, de le déguster. Oui. Il ramène tout ça ici et maintenant comme un téléchargement dans toutes ses parties. Son mental égo, son élémental, sa conscience cellulaire, tous ses corps, son ADN, sa partie subliminale et toutes ses autres parties, son âme jusqu'au soi supérieur. Oui. Et pour chacune d'elles, ça va être du connu, de nouveaux repères, de nouvelles références, et même des habitudes qu'il peut programmer, installer et ressentir dès maintenant. Oui. Voilà. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. À présent, on va regarder son domicile. J'aimerais que tu me dises comment tu vois sa maison. Il y a des éclairs d'énergie de basse fréquence qui traversent le domicile. Et j'ai même une sorte de vortex qui tourne comme ça. Je ne sais pas d'où il sort. Mais c'est lié à lui, en fait. À lui et aux autres occupants aussi. D'accord. Et ces énergies-là, ça vient tout de lui, alors ? De l'ancienne situation. Oui, exact. Ok. Si tu regardes les sous-sols, est-ce que tu vois des désordres géobiologiques, énergétiques, ésotériques ou autres ? Non. Le vortex, donc, ce n'est pas un vortex géobiologique. Non. C'est en lien avec lui. Oui. D'accord. Donc, il va faire une puissante tornade, il va tout nettoyer à l'intérieur et l'extérieur de la maison. Et puis, il peut aussi inviter tous les membres de la maison hein, pour faire la même chose. Donc, nettoyer à l'intérieur et l'extérieur de la maison, mémoire des murs, meubles, objets, caves, greniers, garages, dépendances ou autres, s'il y en a, partout où ils savent que c'est nécessaire. Oui. Voilà. Donc, chacun y met une fleur de vie, graine de vie et double de muscat activé et sécurisé. Oui. Voilà. Maintenant, sur son compteur électrique, et chacun va y mettre son diamant qui va transmettre l'énergie électrique en force de vie. Oui. Voilà. Et par-dessus, fleur de vie, graine de vie, et d'où les muscates activés et sécurisés. Oui. Surtout les plafonds, chacun va mettre un gros boîtier qui vont filtrer l'air et une nanotechnologie. Oui. Qui vont produire par ailleurs un puissant effet Niagara, c'est-à-dire rafraîchissant et régénérant, qui favorise un sommeil profond, régénérant, sécurisé, avec une respiration ample, profonde et aisée, avec un son et un parfum qui se modulent et on sécurise. Oui. Voilà. Chacun remplit son espace et sa présence de son énergie. Oui. Voilà. Et donc, se met dans une bulle cristique de protection. Et chacun également, y compris les animaux. Oui. Maintenant, tu as programmé les protections des différents états de conscience et tu sécurises également. Oui. Voilà. Relier le début et la fin de la séance et tu sécurises. Oui. Créer une bulle de l'instant présent et une bulle de fin de métabolisation complète, totalement réussie dans sa meilleure version. Oui. Les deux bulles fusionnent et s'expansent. Oui. Elles vibrent, rayonnent, irradient et pétillent. Oui. À l'intérieur, son élémental qui se réjouit et qui s'ébroue. Oui. Toutes ces bulles de création et ces bulles d'intention qui sont comme une boîte à souhaits dans laquelle il peut mettre tout ce qu'il veut réaliser, manifester, concrétiser. Oui. Voilà. Et par-dessus, fleur de vie, graine de vie et double de muscat activé. Oui. Et autour, son corps diamantin en protection contre les influences de la conscience collective et tu sécurises. Oui. À présent, tu installes une programmation de sécurisation pour toute la séance et pour toute la phase de métabolisation du début jusqu'à la fin pour chacune, sur tous les plans, tout l'espace-temps, toute bulle de création, par toute le... toute ligne de temps, tout plan de réalité, sur les plans fractal, multidimensionnel et quantique, dans toutes les boucles, toutes les couches et toutes les vies. Oui. Que chacune d'elles soit parfaitement sécurisée, inviolable et ininfluençable. Oui. Maintenant, il s'installe une programmation selon laquelle, lorsqu'il sera le moment de quitter son corps, quelle que soit la situation, son état ou la ligne de temps, il le quitte en toute sécurité, souveraineté, liberté et plaisir. Oui. Pour remonter à la source ou continuer librement son chemin. Donc, stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. Et pour accélérer la manifestation de tout ce qui a été fait jusqu'à présent,
tu vas baliser un chemin énergétique pour faire redescendre les énergies et les informations sur le plan physique en 3D et les ancrer pleinement. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. Et on va demander à son sens supérieur ce qu'il pense de ce qui a été fait. Maintenant, la connexion, elle est libre, directe et sécurisée avec lui. A-t-il des conseils à donner à sa partie physique qui l'écoute ? Il peut l'activer depuis la partie physique avec la claire intention et la confiance en ses capacités d'activation. Bien, il suffira à Nicolas de se souvenir de ce qui a été dit et surtout de le mettre en pratique. Comment est-ce que tu vois son âme ? Elle s'est expansée, elle est vibrante, elle est joyeuse. Et sa partie subliminale ? Elle est aussi joyeuse et elle s'est rapprochée de la partie physique. Bien, alors ça va être la fin de la séance. Nous allons les saluer sur cette nouvelle ligne de temps, dans ce nouveau partenariat avec lui-même et ses parties supérieures uniquement, bien sûr, et dans cette nouvelle version de Nicolas en ce jour de renaissance pour lui. Est-ce que tout le monde a terminé le travail ? Oui. Alors, je rappelle que tous les animaux sont invités et chacun est invité à trouver son portail et sa cascade. Et sous ces taux de très haute fréquence, composés de sons, lumière, couleur, énergie, rayons, parfums, géométrie, informations originelles, etc., chacun peut ressentir à l'intérieur, sur et autour de soi, toutes ces énergies et en profiter pleinement. Oui. Dans la cellule mère de chacun, on installe fleur de vie, graine de vie et double de l'hémiscate activée. Oui. Connecté au chakra cardiaque, au cœur des Gaïa et à la source. Oui. Atome mère également. Oui. Particule de lumière mère idem. Oui. Voilà. Et maintenant, nous arrivons à la douche christique or, diamant et bleu. Oui. Voilà. Et maintenant, suivant notre propre échelle de mesure, quelle était la fréquence de Nicolas avant la séance et quelle est-elle à présent ? De 41 et de 183 maintenant. Chacun sort de son portail, le ferme derrière soi et retourne à sa place respective. Oui. Est-ce que tu es prête pour le retour ? Oui. Alors c'est parti. Et 3. Tu peux ouvrir tranquillement les yeux. Oui. Coucou Laetitia, ça va ? Oui, ça va. Bon, à nous Nicolas, tu peux remettre le son et nous t'écoutons. Oui. Voilà. Oui. Alors, qu'est-ce que vous dites, Nicolas ? Au niveau de l'alignement, c'est, je m'alignais, ça, j'arrive à peu près à le faire inconsciemment. Des fois, non, mais là, un petit peu. Non, mais maintenant, je te demande, pendant la séance, tu as ressenti quoi ? Voilà, dans ce que tu as entendu. C'est un peu marrant que je sois un petit lutin, quand même. Oui. Ouais, j'ai. Même si j'ai une tête un peu sérieuse, comme ça, je peux être... Comme ça, je peux... D'accord. Bon, tu te sens comment, là ? Nicolas est timide. Oui, j'ai compris. Oui, ouais, non, ça va. Ouais. Ça va, ça va. Tu as pu entendre tout ce qui a été dit ou tu vas... De toute façon, tu vas y réécouter, mais... J'ai du mal à me concentrer. J'ai du mal à entendre. Par exemple, toutes les musiques, quand il y a des paroles, j'en pense plus les paroles. Et quand on parle, des fois, j'ai du mal à entendre ce qu'on me dit. Donc, de toute façon, d'accord. C'est enregistré... Non, mais c'est pas grave, t'inquiète pas, le travail se fait quand même. Et puis, mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de positif. Hein. J'ai l'impression que ça va, il y a quelque chose de bien quand même. Hein. Ah, bah, oui, pas perdu. Oui. Et puis surtout, crois-y, tu vois, soit comme dans la conviction, même si tu n'as pas encore toutes les preuves, tu vois, parce que tu es créateur. Donc, si plus tu auras la conviction, la confiance, et plus ça va accélérer. D'accord ? Tu as entendu ce que j'ai dit là ? Il y a plus que j'aurai la conviction. La confiance, plus voilà. La volonté, plus ça va accélérer. Voilà. Hein ? D'accord ? Déjà, le matin, quand il a décidé de faire la séance, à partir de ce moment-là, l'énergie dans la maison a changé. A changé, ben oui. Vous voyez que par sa volonté, j'ai pu sentir qu'il y avait quelque chose, c'était facile pour moi. Bon, super. Bon, donc, comme je disais, tu revois ta vidéo, hein, il y a beaucoup d'informations. Tu as des compréhensions qui vont s'affiner au fur et à mesure. Et surtout, dans les moments de métabolisation, si c'est inconfortable, n'hésite pas à refaire ta séance. Allô ? Jusqu'à la fin. Allô ? Oui ? Ça coupe. Allô ? Ah, vous m'entendez ? Ah, ça coupe, là. Ça coupe. Ah oui, bon, ben, c'est pas ça. Ça a coupé. Alors,
Je disais qu'il ne faut pas hésiter à revoir sa séance parce qu'il y a beaucoup d'informations et il y a des compréhensions qui vont s'affiner au fur et à mesure des écoutes. Et dans ce moment de métabolisation où c'est inconfortable, il peut refaire la séance du début jusqu'à la fin. Ok. Hein? Voilà. En et sachant la vidéo, en sachant qu'au début, les entités ne sont plus là. Hein? Il faut que tu sois dans cette sécurité. Hein? Quand tu vas refaire le début de la fin, les entités ne sont plus là. D'accord? Et comment on accède la vidéo pour... Je vous l'expliquerai, t'inquiète pas, je vous le dirai après, voilà, quand on va raccrocher. Donc, ben, j'espère que vous aurez des nouvelles. Vous me direz par mail comment ça se passe. Absolument. Voilà, et puis donc merci, la vidéo... et tout petit, pas... Comment? Merci, et un trop petit mot pour vous dire comment... ce que vous avez fait. Bon, je n'ai pas tout entendu, mais enfin, je pense que c'est gentil. D'accord, ok. Alors, la vidéo, on peut la publier? Tu peux la publier. Oui, mais j'espère que... On va le flouter, hein. Oui, ouais, tu veux le flouter, on va le flouter, t'inquiète pas. Ah ouais, il n'y a pas de souci. Bon, on va te souhaiter une bonne métabolisation. Une bonne métabolisation. Merci à toi, merci à Laetitia. Hein. Merci. Et donc, on attend de tes nouvelles, d'accord? Par mail. Non, ok. Merci. À bientôt.